Martine Moïse, Jovenel Moïse, Jomali Moïse et Jovenel Moïse Junior. Peuple haïtien, dossier assassinat président Jovenel Moïse. PIA, je dis à nous exactement samedi 24 février 2024. M'a demandé nous prêter mon petit temps. N'entends-nous? Je dis à qui c'est week-end, non? Yon façon pour que, ou même, qui besoin connaît, ou c'est de bagay dans 4 dossiers assassinat président, eh bien, plateforme YouTube, il faut mettre toi, pour te kishoy pour vous. Avant yam te dit nous, bonne nouvelle pour la famille Moïse. Mauvaise nouvelle pour détracteurs assassins criminels qui tuent le président Jovenel Moïse. Yo. Et bien, je dis à, bagay la pi compliqué toujours, avec dernier sorti que, ancien directeur général police, Léon Chalfet, la tremblade, maman Pemba Lakay, coalition d'assassins qui te touye président. Est-ce que Léon Chal te connaît assassinat? Oui, dans un premier temps, yo te invité l'an complot. Dans deuxième partie complot qui mène assassinat, est-ce que te au courant? Est-ce que te au courant? Li pral parler encore une fois. Nous pral tende, nous pral analyser, nous pral commenter ensemble avec vous. Parce que je dis, hein, sous plateforme YouTube, il faut mettre toi, m'te dit monsieur ça. Nous, le Martine Moïse, t'es déplacé et que l'était allé dans la capitale politique mondiale, côté qu'elle t'a dit clairement, l'a frappé des portes parce que lui, à la recherche de la vérité, justice pour président, pour payer, pour tête lui, parce qu'elles sont victimes. En pile, nest essayé de parler de bagaille. Monsieur, écoutez, il y a madame qui a cherché route Nations Unies, qui a cherché route l'OEA. Cap parle avec le conseil de gros monde de Washington pour garder comment tu vas mettre un tribunal international qui pour statuer sous dossier. Mais parce que il y a plusieurs juridictions qui impliquées. Li pa vle quitter personne derrière. Et puis c'est lui-même qui a essayé d'attaquer. Et bien, peuple haïtien, démarche Martine Moïse là, li pote résultat. Et à partir de 4 mai qui vient là, c'est Kounia qui parle raïmot Martine Moïse. C'est qu'on n'y a pas l'envie tout yel, parce qu'on prend la vérité en même temps, boule figuinou, pap gete te lang. Et surtout, Léon Chal répète ton bagay à plusieurs reprises dans deux émissions qu'elle participait hier. Monsieur dit qu'elle passe dans le pire au niveau, mais sauf que président a besoin de justice. M'a dit Léon Chal, c'est pas président qui a besoin de justice, non? C'est moi qui a bataille depuis 31 mois. C'est pays, c'est la famille Moïse qui a besoin de justice là. Jovenel Moïse, pas besoin de justice li. Mais sauf que, la République a connu. T'es un président, qu'un groupe de nègres avec femme t'es assassiné dans le pays, tout le monde sa yo paye pour que te fait. Et effectivement, Léon Chal, ou ka aider, ou ka porter contribution pa ou. Si ou pas impliqué, Jean ou dil là. Jean moi même tout, dans un premier temps m'te ouel là. Jusqu'à maintenant, m'a pas dit qu'on impliqué. Mais, après 31 mois, et pas l'air yo sorti ordonnance que nego fou kout mal ta yo fou yo nou la dan. Pour venir cette cour estomaqué. Et j'aime fouiller nous dans tout. Ça vient une bonne possibilité encore une fois pour me dire que si Léon Chal était impliqué, nous m'a quitté cette juillet et pas arrêté le arrêté colombien. Et n'est pas j'aime pas donner ça parce que t'es arrêté des mercenaires colombiens pour vous. Ou t'es arrêté James Solage pour vous. Ou t'es arrêté Joseph Vincent pour vous. Et ou t'es capable de négocier ça avec vous. Ça veut dire que moi-même, toujours dit clairement, c'est grâce avec Léon Chal qui fait que nous avons James Solage, Joseph Vincent et toute Colombie ça qui est en bas code, dans ma tête qui était 7 juillet. Oui, il y a un pile questionnement. Il y a un pile question qui a posé. Comportement, le premier rapport de CPJ a sorti. Mais bon, 31 mois après, vous venez parler. Vous parlez encore aujourd'hui, pays après le temps de. Moi, content aujourd'hui, après, pas ici pour moi, c'est ma veine. Mais sauf que m'a dit non. Moun que, détracteur de pour avoir raison. Parce que, vous prenez l'estime que, alors si au moun ça que moi on sait de moun a passé fait avec dossier Martine Moïse pas de problème. Mais monsieur nous et kounya nous parler raï Martine Moïse. C'est kounya nous parler raï Martine Moïse parce que les États-Unis d'Amérique dans l'état Floride plus précisément dans Miami dossier assassinat Jovenel Moïse là gon vitesse qui va le passer là-dedans. Nèg pral entraver et moi me dit qui choy dans même. Qui choy dans même. Dans nous, on est mauvais comme un pile. C'est par rapport, c'est avec ça que je même. Mais de fait, je dis, nous, monsieur, je ne vais pas tomber dans le compte avec personne. Sauf que nous, pour nous tomber dans le compte avec la vérité. Période.
Je pas tomber dans le avec personne, pour personne. Et je pas faire sucre, je pas faire attention. Moi, je tout le monde. L'amour pour tout le monde. L'amour pour tout le monde. Sauf que, moi-même, je dis ça clairement. Puis devant, nèg, nous sommes capables de japper, attaquer Matin Moïse, c'est vous-même. Je garantis vous. Vous finissez par rendre compte que vous êtes dans le et bon diable béni ou, l'on admet que ou t'en aïe ouè. Papa ici, jeudi samedi, hein, et nous venons faire une émission, côté que nous pral faire des analyses, suite avec déclaration que ancien directeur général police là, Léon Charles fait. Moi, je vais inviter nous tendre ensemble avec nous pendant quelques minutes parce que, il y a un monsieur dit qui est extrêmement important que moi-même, je gagne pour pas me faire souli, et je gagne question pas me poser, monsieur, je gagne parole pas me souli. Dans ce sens, ça, moi invité ou tendez ensemble avec moi parce que vérité pas qu'on cache et vérité pas qu'il doit cacher surtout dans cadre dossier ça vérité a pas qu'il doit cacher et surtout dans cadre dossier assassinat président pays ça que nèg fait crime ça moi même dit monsieur grande bagaille seul moyen pour Jovenel partager une justice faut que nous tatouer tout haïtien et nous pas capable dernier sorti Léon Charles bah que sauté. Léon Charles dit, les kon, moun ki touye Jovenel Moïse yo la. Léon Charles connaît yo. Et il doit dire di pays a yo. Et même j'entou, Léon Charles connaît moun ki bag l'argent. Faut que Léon Charles parle, soit je ne l'ai pas mette. Li mette ou. C'est comme si nous juge l'en prend ou. Comme moun ki te nan finance assassinat yi. Mais de fait, faut di moun yo. Ou te dit clairement, l'autre nan poste là, comme. Ambassadeur permanent dans l'OEA ou des complications de réserve. Mais maintenant, border. Ou dit ou démissionné pour qu'à parler. M'pas quoi qu'il réserve qu'on a fait encore. Ou t'es déjà la police. Ou c'est premier témoin. Et ou doit poser question. Ou admettre ça. Mais border, si n'est-ce que vous responsabiliser ou, comme une parmi assassin Jovenel Moïse, si vous ne pas là-dedans, m'pas quoi qu'à faire réserve pour qu'on parle tout, non? Alors pendant nous John Joseph pendant m'a cité nous John chaque jour m'a cité nous Don Kato chez la Ludo Major Michel Don Kato puis gros peste nous oligarque nous qui dans tout président tout le monde connaît oligarque là dans lui John Joel Joseph devant juge fédéral dans Miami Florida les campel levé mélanlé les dit magistrat permettre lui mandé pardon pour crime li fait. John Joel Joseph levé main li mandé président Jovenel Moïse pardon. Li dit pardon président parce que ou pas te mériter ça. John Joel Joseph, c'est pas moi qui dit. C'est lui-même devant un juge fédéral Miami. Monsieur levé main, li mandé première dame nan, qui c'est madame président Martin Moïse pardon. Li mandé pardon parce que li pas supposé lui-même pour la rentrer dans baie comme ça, pour la tourer président et manquer tourer madame nan. Li mandé madame nan pardon. Elle m'a dit petit président, pardon. John Joel Joseph, poulain de Dimitri Vob, Zami Don Kato, Zami Ariel, Zami Joe, Zami Major Michel Don Kato chez les Ludor, Vite l'homme innocent, André Michel Nakassi, Zami Evalia Beauplan, Zami équipe SDPA. John Joel Joseph, m'a dit pardon pour crime ça, que yo impliqué là-dedans. Là. Et monsieur Bay, liste nos moun, tout nègre honnête qu'on est. Li Bay, liste nos nègre. Qui effectivement, qui t'a comploté pour t'assassiner le président, pour t'assassiner le président ensemble avec elle. Et yo assassiné. Tout n'est honnête net là-dedans. Tout n'est honnête, y compris Major Michel. Tout là-dedans. Tout qu'on est. Tout là-dedans. Nous avons que crime ça a prêté impuni. Si mal propre, t'es vol, t'es gang sale, t'es théoriste qui relève, ou altériste Voltaire, qui omette la justice qui a pris ça. Libéral. Y a pas maril. Ça quoi le fait dans le pays? Je ne vais pas parler. Ça quoi le fait dans le pays? Parce que Haïti, le pays n'a pas prêté. Comme ça, je ne vais pas nous mentir. Ça quoi le fait dans la fête? C'est ça que nous vivons, mais nous pas vivre. Vous comprenez? C'est ça que nous vivons, mais nous pas vivre. Bon, pressé là parce que, et je dis à Bouik, là, chargé pour la poloy. Oui, il est chargé pour la poloy. Mais nous prenons le temps de, ensemble avec nous, point par point, nous prenons le petit coupé de temps en temps. Léon Charles. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi content ensemble avec nous aujourd'hui encore une fois sous plateforme Panouan qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa. Pour nous venir parler pays. Pour nous venir parler de dossier assassinat président Jovenel Moïse.
pour nous venir parler de crime ça que nèg yo fait sous président pays a. Pour nous venir parler de crime ça que nèg yo fait sous président pays a. Parce que ça va carrément être impuni. Président Jovenel Moïse, c'est lui-même nèg yo touye a. Ce soir, yo touye dans touye a, attendez. Tu obligé Jean. Yo ka fait lapideo. Lapideo. Yo fusiller. Fusiller. Yo assassiner. Assassiner. Yo exiler. Mais c'est ça sa qui est réservé à président qui vient. À président qui vient pour changer bagaille. Voilà. Maintenant, on a le temps ensemble avec ancien directeur général pour l'Islan, qui c'est Léon Charles. Nous parlons de Léon Charles avec un pile intérêt. Prêtez-moi attention pendant quelques minutes. Nous connaissons que c'est Timoun pendant qu'il a commenté. N'a pas commenté, n'a posé question. Posez question, n'est-ce pas ce commentaire là? Et commentaire yo après, tout le monde a pour yo. Mette, comme si, posez question qui fait sens. Posez des bonnes questions. Posez question loup. Posez question du, selon compréhension. Nous devons poser question. Posez question, n'est-ce pas ce commentaire là? En avance. Léon Charles, ancien directeur général, la police nationale d'Haïti. On parle, peuple haïtien. Bonjour, bonjour Wendell. Et bonjour, téléspectatrices et téléspectateurs. Le mission ça le point et moi merci au que pour bonne opportunité pour me capable ba version des faits et qui était entouré assassinat président nous Jovenel Moïse et pour me capable rester dans ordonnance là dans point que juge là et li basé pour le dire m'impliquer et li traiter de complice dans assassinat crapuleux ça. Tout d'abord, bon présenter Wall au directeur général. Il est connu de tous. Directeur général là, commandait la police là, avec tout ça le représenter. Mais le directeur général n'a pas accès direct. Il ne commande pas directement les unités de sécurité du Palais national. Unité ça, c'est l'USGPN qui a assuré troisième périmètre de sécurité, ça veut dire externe. Deuxième nom, c'est Katim qui assurait deuxième nom. Et dans deux présidents, dans chaque président, quel que soit côté président, une équipe proche, c'est USP, ça veut dire une équipe en version. Donc, je fais précision ça. L'INA, loi portant et création de la police nationale de 1994, et même moi arrêté, l'arrêté du 1er février 2016. Et promulgué par l'administration Martelly Paul, qui dit qu'il y a des particularités que les unités ont gagnées, parce qu'ils ont gagné, ils ont relevé de la police, certes, mais ils ont une certaine autonomie en matière de gestion quoi. Et la police, inspection générale, responsable de discipline en tant que quoi, mais accès à un déplacement président. Quel que soit côté président, trois unités à eux, dans le niveau troisième, deuxième, premier périmètre, c'est Yopoula. À la rigueur, sur demande, on va jouer au quatrième périmètre de sécurité qui est fait par la police dans la zone d'un côté policier, hein, ou bien sur demande spéciale, on va jouer l'autre unité spécialisée qui vient renforcer le quatrième périmètre de sécurité. Donc là, où dit-on que monsieur n'est pas capable de passer au l'ordre. En matière de déplacement, président, non. Parce que le président a une certaine sensibilité, une certaine discrétion que le président a gagné dans la gestion du monde qui entoure de lui. Cependant, dans l'autre question qui est sur discipline, l'autre question qui est à faire pour transférer, même on ne peut pas transférer un policier USGPN comme ça, sans que on va gérer, à moins que son cas qui grave son crime, que nous allons remettre à la justice. Donc, moi pas gagner un commandement direct sous unité qui capacité de sécurité président. OK. Donc ça veut dire que le président gagne quatre petits détails que le pas connaît tout parce que il dit que le président Réléo dans un moment de sentiment de détresse. Oui ou non le pas très lourd vraiment? Président Réléo moi bon fonti jour 6 juillet bah président me dit président bah monte opération besoin d'accord. Parce que nous avons une fixation vite l'homme, nous avons plusieurs opérations de vite l'homme, gagné, nous ratons, nous saisissons matériel. Finalement, je dis le 6, ma focus
sous vide là. Mais il faut que le président, le président, besoin de pelle mécanique, besoin de matériel, si quelque chose n'a pas l'espace que vide l'homme gagne. Et la question c'est que, est-ce que c'est un hasard pour le 6, Léon Charles? I don't know, c'est une question. C'est ça que comme si pour me parler, pour me permettre et famille, amis, plateforme YouTube et Foubeto yo, et comprendre les questions, parce que moi-même, je voulais nous poser des questions qui sont extrêmement importantes, parce que il s'agit de la vie d'un chef d'État haïtien, d'un président de la République Haïti. Justice là, au monté en opération d'emblée, où est le président, au moins des présidents matériels. Est-ce que c'est une coïncidence? Son question, oui. N'a pas avancé. N'a pas avancé parce que nous à la recherche de la vérité. Mais nous pas tribunal. Mais de fait, la justice populaire, elle n'a pas qu'à jouer. Système judiciaire pays, nous travaille. Pas nous mentir, bon côté la privée. N'a pas saturé, nous pas qu'à nous poser question encore. N'a obligé d'agir pour n'a pas, pour n'a prendre réponse, côté pour nous prendre. Il est extrêmement important. Mais cependant, jusqu'à maintenant, si que la justice américaine capable de jouer des mercenaires colombiens pour questionner et condamner, c'est grâce avec Léon Charles et support la population haïtienne qui est dans Pétionville là. Léon Charles, il crédit ça. Si James Solage, Joseph Vincent, t'es capable d'arrêter justice, alors juste 7 juillet, c'est grâce avec commandement Léon Charles. Parce que monsieur, t'es demandé négocier. Et c'est pas jouette. Et c'est avec facilité, oui, il t'es utilisé Dimitri Razamio, qui était dans le complot, tout le président avec eux, pour te demander Léon Charles négocier. Léon Charles pas accepté. Et c'est une bagaille que Pierre Espérance pas pardonné Léon Charles. Pierre Espérance pas pardonné Léon Charles. Une bagaille qui pour fait Léon Charles dit pays à tout bagaille net. Ou doit dit pays à tout bagaille. Et ou gagne obligation pour dit pays à tout bagaille. En avance Léon Charles à l'appareil. Sous ton celle-là. Effectivement, opération commence depuis 10 heures du matin. Pas de cage matériel, président, même jour, fait me contact avec CNE pour me jouer une pelle mécanique. L'un fait opération pour nous craser l'espace. Parce que nous ne pas de blé, il y a toute l'altitude. Ça. À 3h après-midi, nous jouons le matériel. Là, et le matériel a commencé, pelle mécanique. Il a commencé le travail jusqu'à 11h30, nous finissons craser l'espace en partie. Et puis j'ai appelé le président à 11h30 PM. Monsieur le président, nous faisons opération cavité l'homme, nous pas jeûner, nous saisir de ton bagage, nous craser Kaira. N'a pas rappelé où? Juste à citer 6 juillet 2021. Entendez avec un pile intérêt. Très important. Alors, président dit, ok, bon bagage. 11h30 PM. Alors, tout commandement est réuni dans la direction générale. Quand je parle du commandement, je parle de l'inspecteur général en chef de la police nationale, du directeur central de la police administrative, du directeur central de la police judiciaire et l'autre commandement, parce que l'on a fait opération d'envergure, ça, tout le monde réuni, et puis l'opération a fini, tout le monde supposé rentrer dans la base pour nous faire un débriefing, nous ça passé, pour nous faire un bilan de l'opération. Nous étions dans la salle de conférence de direction générale, aux environs de 1h15, aux environs, parce que je n'ai pas de téléphone, on a même ce samedi devant le juge, 1h15, 1h30, le président m'appelle. Il dit, DG, moi, t'en ai un pile et rafale dans la zone là, quand moi, et moi, besoin de quoi. Il dit, président, qui sont fait? Qui est sur relais? Le président dit, moi, relais, la guerre civile, qui c'est coordonnateur de l'unité et sécurité par les nationales, m'a joué ni. Mais le Dimitri Erard, qui c'est responsable de l'URGPN, l'unité de sécurité par les nationales, moi, pas joué ni. Je dis, président, m'a vini. Entre temps, imaginez, entre 1h30, 1h35, quelque chose de terrain, tout le monde, moi, j'étais dans la base avec tout le commandant, c'est vrai, mais pour mobiliser les policiers qui étaient campés dans la machine et pour régler l'autre troupe, mobiliser des néos, et soit team, libre mon titre pour me faire ça. Entre temps, par raison qui t'a dirigé, l'inspecteur général par raison, membre de mon cabinet, qui t'a dirigé l'opération Torcellan, rentrer dans la base. Alors, on était en distance devant le directeur général, lui-même était au côté, dans l'espace plus grand. Déplacer ma joindre
pas l'heure. Mais entre-temps, avant ma jeune paraison, moi, je viens le président une deuxième fois. Pas jeune président. Je dis l'espace 5-10 minutes en deux, premier appel. Et puis, je dis pas raison. Moi, je reçois un appel président. Je me relève pas jeune. Allez, puisque vous-même, par exemple, dis-moi, président, relève tout. Mais je suis rentré dans la base pour une machine blindée. Je dis par exemple, dégagez-vous, allez rapide. Parce que. Je suis fragile. Pourquoi ça m'a. Ça m'a imaginé. Appel de détresse. Dernier appel, président. Et puis, relève monsieur Vigne, relève président back. C'est l'un qui a assassiné le président. Tout policier qui est dans la cour du président. Yo pas fait un bal. Et m'a dit nous ça pour pays a Dimitri Ira dans complot monsieur campé dans pèlerin. Dans pèlerin heure devant pompe gasoline avec troupe IGPN pal ensemble avec elle pour lui contre tout le monde qui est capable de porter secours. Bay président pays a la guerre civile nan wo li même nan pèlerin 6 et puis Jovenel la prend balle en dans 5 ans mais comment deux messieurs ça qui était dans palais national avec Jovenel que Jovenel te fait confiance mais Jovenel là monsieur ton écrase président moi même en vérité bon Dieu moi franchement m'a pas connait quand nous t'ayé ou pas faire qualité travail ça comme si c'est même petit monsieur Matelio même petit volo ça yo que vous prenez comme monde de bien, comme copie, faites confiance. Vous ne faites personne moun confiance en sécurité. C'est Dimitri Ira, c'est la guerre civile. Et c'est Nègre qui livre, président. C'est Messie Sambi, je venais de faire confiance. Je venais pas faire pièce de monde confiance. C'est parole Dimitri, c'est parole la guerre civile. Léon Chalvin dit, monsieur, dans 7 février, à mer pour ton complot, je venais pas baisser l'importance. C'est Dimitri Ira qui n'a complot à lui-même avec la guerre civile, oui, qui vient dire lui et laisse le quoi. Mais monsieur, en vérité, mon Dieu, man, franchement, elle a fait mal. Bonjour, on est comme si mourir. Moi-même, franchement, monsieur. Comme si monsieur pas de amis même, monsieur pas de colonne même, monsieur pas de allié même, monsieur pas de famille même. Comme si vous avez un monde qui a fait confiance à 100% depuis longtemps. Qui doit être d'eau? Aïe, 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 monsieur. Elle a dérangé, elle fait trop facile. Mais Dimitri, si on est pour mettre ton côté, son poteau, pour commencer à foutre les balles depuis notre zone, ou bien racher avec pince, Rachel Park, comme si décolle le bout par bout. Ti volo ça, men. Franchement, monsieur. Mon jeune garçon ambitieux. Monsieur Bézé, multimillionnaire. Comme si pour le dire multimillionnaire avait non vétaine. Pour le dire riche. Pour la gonfler voir go colette. Les riches. Parce que moun nan bêtise. Ti volé. Ti sans sale. Ti terroriste kotoye. Et c'est grave. C'est malhonnête. En avance. Par exemple, son homme de confiance, très opérationnel, très dynamique. Moi, dis par exemple, montez. Par exemple, virer machine, il allait avec l'équipe lui. Une seule machine. Parce que, et puis entre temps, moi-même, m'a mobilisé l'équipe, moi, backup PAM, backup de CPJ, backup de CPA, l'autre backup qui était disponible, pendant que les DDO, m'a pris les SWAT pour nous déplacer. Et je me suis déplacé avec mon cortège du haut commandement. Moi, je fais route pour me faire. Et puis, le, entre temps, pendant que je passé sur l'aéroport, Delma 31, et puis, et puis, pendant que nous sommes dans la zone de devant, par exemple, il dit, DG, moi, je vais vous appeler, dans la zone ça, il y a des gens qui braquent sur moi, moi, des policiers UGPN, le responsable de l'UGPN dit, commandant, vous n'avez pas besoin d'avancer parce que, moi, c'est Zié qui a opéré. Mes paroles là. Dimitri Ira, braque les âmes sous Vladimir Parizon, devant Pompe. Pèlerin 1, par raison, avancé. Monsieur dit pas avancé, c'est dit y est cap opéré en l'air. Dimitri Ira a sécurisé, commando cal assassiné président. Dimitri Ira. Monsieur, c'est green nek que moi-même besoin yo prend avec Jean la guerre civile. Ou a qu'on a quitté relé moi? Monsieur, quel était la France? Monsieur relé pour monsieur Abdim comme ça que, ou il se cousin bien frère la guerre civile. Ou pas m'te bloqué ou salope, petit volet. A venir le mbou dim kou se famille la guerre civile ou oui la guerre civile pendant complot ou il faut nous parler pour lui ou pas me débloquer ou pas me débloquer ti voler
Bon rasne kap tout le président. Ou am te fout bloko ou? A vini relem nan téléphone, a vini dire, oh oui, Beto, se mette ou mette la guerre civile nan complot wa, li bala dans le vri. Ou am te bloko ou? Si volo, ti sans sal, bon chien kote nouye, bon fout tout le président. De pou relem nan téléphone encore? Ouen, franchement, pas souye non. Si m'te souye non, mon chè, m'tap fout, je comme si m'ta djou, m'tap fout à vilou. Bon si bon rasne kap tout le président. Ou vini relem ou, oh oui, la guerre civile nan prison innocemment. Franchement, ou t'en m'sou bou semble ya, et bloke m'dek et bloko ou. Ou pas m'tou coupe communication, m'tou bloko automatique, m'en t'y vole, m'en terroriste kote nou, m'en tou et président. Léon Charles a expliqué faire. Ça m'a pas dit, ça m'a dit là, c'est vérité absolue, entendez. C'est ça, Paris, on te dit, et c'est vérité, entendez. M'en dit, Paris, on sort d'im là. M'en dit, un président menacé de grelem, l'irré longtemps, qui a fait de dire, m'en dit, si dit, et ta fait opération à l'osa, m'en t'ap koné. M'en dit, dégageau. Monter, entre temps, m'a progressé. L'homme rivé, on t'y casse, puis devant, le ça m'a dit dans son coup de frère, m'a monté. Par raison, l'élément corps. Par raison, dit, commandant, pour un jeune rivé, me déplacer, mais dans une zone basée par des même ouais, bon dieu, même ouais, des mouns, cap descend, moi, deux, cap descend, pour y aller à Pétionville. Entre temps, m'a dit arrivé à Pétionville. Donc, m'a fait barrage. Et puis le parison arrivé, troisième appel parison, quatrième appel, je dirais. Parison et DG, moi arrivé avec le président, nous perdons le président. Le président mourut. Je dis, parison, c'est vrai, moi vérifié. Je dis, quoi de première dame là? Première dame là, blessée, il n'est pas bon. Je dis, passez une première dame là. Je dis, première, nous regrettons sa privée. La prédisposition par raison pour mener un côté pour aller prendre soin. Parce que le dit bébé, c'est pas qu'on a pleuré. Je dis par raison, sans pas mener côté le bralé, à sa discrétion, par raison, organiser côté ça pour descendre avec, pour aller prendre le premier soin. Parce qu'il a pris, il est blessé grave. Entre temps, l'essentiel, puisque j'ai eu des informations, je réunis toutes les, je dis tout le commandement de ça, soit qui est arrivé avec un blindé, moi, j'ai rentré et mobilisé toute police qui était dans le commissariat de Pétionville, tout renfort qui était venu. Mais il faut dire, entre temps, pendant ce route-là, après le deuxième appel, président, je relais la gueule. Je ne pas joindre la gueule. Alors, le coordonnateur. Moi, je relais Dimitri. Je ne joindre pas joindre Dimitri. Et puis, il me dit, monsieur, c'est pendant ce espace-là, il me dit, monsieur, n'a pas barré. Alors, maintenant, tu nous barré pour Bokinam, non? Et puis, l'autre côté était de l'eau. Tout côté négocié qu'à descendre, parce que l'essentiel qu'on a, c'est Kembe Nebio. Entre temps, pendant Chita, pendant que nous campions sous place Saint-Pierre là, nous avons fait barrage là, monsieur, yo, le, pour tout aspect question, hein, bien important, moi, le chef des opérations de l'UGPN, pour ton téléphone, pour moi, Dimitri, là. Il dit, DG, monsieur, vous voulez parler avec vous parce que bien, il y a deux policiers nommés. Il dit, qui monsieur? Il dit, monsieur, ça qui est important pour nous, c'est fait barrage là. Bon, si vous ne quittez pas la zone, je ne vais pas parler avec l'autre. Quelques minutes après, Dimitri Erard, le commissaire municipal, Dimitri Erard, pour ton téléphone, un petit téléphone petit, songez, un petit téléphone, et de me peser, je dis là, je ne vais là. Il dit, DG, besoin, il y a deux policiers qui nommés les gars, monsieur, je ne vais pas parler. Il dit, commandant, faire sport. M'a géré une situation, je ne peux pas la bandit tout autant que je ne peux pas passer là. Monsieur va passer là. Monsieur insiste, je ne peux pas. Entre temps, puisque tu as une information que le commissaire de l'UGPN, Dimitri Erard, dit pas raison que c'est dit pas avancé, je commence à avoir un doute. Et puis le Dimitri, et puis il fait retrait en deux places, Saint-Pierre là. Et puis il me dit, monsieur, renforcez barrage. Entre-temps, monsieur Assayon, rivé, puis au Kinam. Il y a un camion pompier qui a monté, mais par contre, c'est la mairie. Et puis, les gars ont monté Kinam, ils ont vu l'espace là, ils ont vu le barrage là. Et puis, sous le microphone, il y a un qui dit, dis-le, fais-le. Et puis, il me dit, monsieur, pas qu'il y a un cap déplacé. Nous campé. Et puis, ils ont remonté. Et c'est là, entre-temps, que nous recevons appel au Premier ministre pour un CSPN. En urgence, nous remettre les CP à charge
et puis descendre dans le CSPN. Donc, pour me conclure aspect ça, en tant que directeur général, le fait que le président a assassiné sous moi son dossier, m'a toujours des questions pour me répondre la donne parce que les fait sous commandement, je n'ai pas de responsabilité. Mais de là à dire que je suis pourrianiste, que je suis nonchalant, pas de fin, là, m'estimer que c'est mensonge lié. Parce que par raison, même si par raison t'as dit, il n'y a pas dire que je n'ai pas de bonne instruction, par raison est membre de mon cabinet particulier. Par raison a été en mission, c'est pas le téléphone, non, mais l'instruction. On s'est rencontré sur la cour de la direction générale. Donc, c'est un membre de cabinet qui m'a instruction qui pourra secourir le président pendant que m'a mobilisé à 1h du matin, entre 1h et 2h, pour mobiliser tout le monde. Il m'a dit, ça pour tout le monde. Il fait tout ça capable. Ok. On fait camper là. Et DG, on fait camper là, ambassadeur. Et lorsque Dimitri Erard dit que c'est DIA qui a opéré, d'ailleurs, il y a des enregistrements qui étaient publics. Côté que, bon, moun kap dit son opération DIA. Est-ce que, dans toutes sortes de faits, est-ce que vous l'ambassade américaine pour demander est-ce que vous êtes au courant que dit la CAI président? Non. D'ailleurs, ce n'est pas moi-même, pour me rectifier ça, ce n'est pas moi-même, Dimitri Erard, qui dit que c'est dit. Premier contact là, c'est avec Parison. Ok. Les Parisons mettent au courant, est-ce que vous parlez l'ambassade là pour demander est-ce que dit est sur place, est-ce que dit est une opération qu'elle a menée? Non, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Et même si c'est dit, là, ça a pris mon face. Parce que c'est on attaque le président, parler les personnes. On décision comme tu prends, automatiquement, je finis recevoir appel président. Mais tout le commandement m'a même, je ne pas répondre au téléphone, personne. Et c'est ce que j'ai fait. Le commandement m'a même, moi, parler seul avec le premier ministre pour me faire coordination avec elle. Laisse ça, qui l'a été comme ça, par le premier ministre? Bon, par le premier ministre, l'homme qui était direction générale là. De direction générale avec 8 minutes, bon, 20 minutes, mais li, avant 2h, 1h45, même pas gagné, mais c'est avant que je me rive à Pétionville, et sous place Saint-Pierre. Justement, et moi-même, une partie qui est intéressante pour que moi permette nous comprendre, c'est que c'est Dimitri Erard qui pose des téléphones et qui persiste pour que Léon Charles négocie, parle avec Messine, avec Assayan. Monsieur, oh, l'éternel. Dimitri Erard. Dimitri Patap Café, ça le fait à Samateli. Dimitri Patap Café prend décision pour livrer le président Samateli. Période. Si vous ne pouvez jamais faire matériel ça, parce que le connaît pour ébarrer la matérielle tout yel. Et c'est chien de garde Michel Joseph Matéli qui est. Dimitri Pap fait ce matéli. Implication et Dimitri Erard, dans tout le président, la guerre civile, c'est implication indirecte de Joseph Michel Matéli, ou du moins direct. Période. Son preuve tangible qui montre que Matéli effectivement notre président. Pas de doute dans ça. Ou après Matéli, son est qui a au gant, qui go gagan, mais qui pas jamais capable oser ouvrir bec li. Pour lui tenter de respecter le monde qui a posé la question. Mais Matéli pas payé pour ça, non? Mais ça que je connais qui est extrêmement important. Moi, sûr. Et plus que sûr. 4 mai kap vin la, bagay la pap douce. Et Léon Charles dit la passe ou, elle doit passe ou. Ou gen obligation passe ou. Entendez Léon Charles toujours. 40 à 50 mai kap sécurisé.
Périmètre de sécurité, si on a parlé de pèlerin. OK? Devant le président, dans la rue, hein? Troisième nom. Deuxième nom, devant barrière. Ou bien dans barrière. Premier, en dans Kaila. Ou bien devant Kaila dans le salon. Donc, ça veut dire, quel que soit le tir qui vient dans la zone, dans la tête, moi, en tant que directeur général, moi, j'ai un minimum, l'homme, ou bien 4 teams qui sont unités spécialisées, counter en bouche. Contre embuscade, spécialisé, il y en a une unité qui est bien entraînée dans la police. Ou bien ULGPN qui sont l'autre unité spécialisée. Ok, monsieur Charles, dis-nous, lorsque vous apprenez que c'est la DIA qui a mené une opération, DIA, ok, bon, nous connaissons que Haïti a des accords qui signent avec les États-Unis qui peut-être autorisent que vous menez des opérations, mais lorsque vous dites. Yo dit que c'est dit la caille au président de la République. Un, t'as vraiment connu qui ça. T'es dit où? Est-ce que deux, où t'es trouvé les normal? Trois, est-ce que dans ta tête où t'es pensé c'est président qui t'a fait l'objet d'opération ça? Ou bien est-ce que c'est l'autre monde que dit t'as cherché la caille président? Dis-nous. Non, on va faire considération ça du tout. Parce que président Elim, D.I.E. sur l'autre entité capitale. Si D.I.E. a monté opération comme ça, D.I.E. dans la question de l'illégalité. Moi-même, pas même besoin de connaître si c'est D.I.E. ou pas. Okay? Parce que si la fait me connaître, si la fait dit, moi dit par exemple, qui a fait D.I.E. ou Abdi Blanc? Si c'est une opération régulière dans la zone, là, même pas dit qu'il y a président, quelle que soit l'opération régulière D.I.E. fait, m'a beaucoup courant. À moins que son baïque, m'a connaître, m'a beaucoup courant. Donc, le commandant responsable de la sécurité du président dit que c'est dit, moi, je ne vais pas prendre en compte. Déjà, je déjà avec une complicité. Commandant, comment vous faites comme ça? C'est où pour prendre balle au président? Comment fait c'est dit? Donc, je ne parle pas le président, je ne parle pas l'ambassade. Mais est-ce que le patate mieux, DG, que dans le moment où on dit que quelle que soit l'opération qui a mené, dans l'environnement immédiat, résidence président, que le campé, ça va de continuer, pas de guerre opération, ou pas de dire ça? Non, par raison, ça avait par raison à parler. Moi, je dis par raison, je ne suis pas d'accord avec la question, je dis, dégagez-vous, montez en l'air. Ok. Dégagez-vous, PK président. Ok. Mais juge Langue, elle a dit que par raison, dit pas de guébaye concernant, dans l'ordonnance, juge Langue fait état de. Par raison, tu as dit que le patron se voit instruction de ce genre, non, mais on, monsieur Charles. Moi-même, c'est le problème, ça m'y a avec enquête là. Moi-même, c'était une enquête vraiment. Parce que moi, à devant juge là, 4 fois, juge. Qui a mené l'enquête là. Moi, j'étais en première fois, en deuxième fois, deux autres fois, moi, j'ai fait confrontation avec Dimitri Rer la gueule. Moi, je vais vers son pam. Si dans le moment ça, le juge là, t'estime, il y a statut témoin, s'il a changé les informations additionnelles, le juge là a gagné pour devoir, je vais dire que ça pour faire confrontation. Parce que, moi, bah en déclaration, à 2 reprises, ok, devant le juge là, dégagé, 4 reprises plus première comparution de fait, invitation de fait devant le juge Gary Olien, pas jamais couru pour être là. Donc, au moins qui volontairement, même je me présenté, parce que moi dit, Léon Charles m'a couru pour enquête sur le président Jovenel Moïse. Il fait sous moi j'ai responsabilité, mais enquête va le définir à quel niveau de responsabilité que j'ai. Mais le juge là dit par raison, et moi, par raison, pas dit ça. Son interprétation liée. Et même si tu par raison, tu as dit ça, par raison, est un inspecteur général affecté à mon cabinet. Et c'est une équipe dynamique que, qui est dans toute opération. Il n'a pas qu'à dire ça. Et si, par raison, tu as dit, ma colonne, c'est pas moi qui voyais. Par raison, tu es sorti torsel. Par exemple, tu as sorti 2 torselles du monté, tu as tourné un peu ta barre, ou bien éclaircine. Donc, il faut que le juge établi fait ça, garder le rapport téléphonique, garder, faire confrontation. Moi, je ne pas faire confrontation. Alors, bien entendu, jusqu'au dernier présentation que je fais devant le juge, et tout le monde est correct, moi, je retourne en tant que témoin et je me mettre à la disposition.
vin bon changement dans le traitement VIP. Parce que moi, pas jamais demandé autorisation pour me tourner parce que je connaissais obligation pour moi aller devant le juge là pour m'aider en tête l'avancée. Alors, moi, j'ai une liste d'une cinquantaine de questions pour me poser. Mais avant ça, et puisque non cité à plusieurs reprises, j'ai Vladimir par exemple avec moi là, directeur général, qui t'a remis pour te quelques précisions par rapport à ça que dit dans l'émission là. Excusez-moi, Wendel, son enquête, je ne vais pas faire enquête là pour le juge là. Je ne vais pas faire enquête là pour le juge là, enquête là, il vient d'un niveau A, il y a une déclaration, on a pris une déclaration. Donc, si on a fait l'ordre d'invitation pour par raison, je ne vais pas faire là. Parce que là donc, on ne va pas être à contact là. Je ne vais pas être à contact là par raison et être un inspecteur général. Ok. Sauf que c'est une précision, c'est une précision que tu voulais porter tout simplement par rapport à. Il a fait après, parce que j'ai été sous concentration, parce que j'ai eu l'âme, ça c'est pour faire, il n'est pas tellement correct. Mais, s'il vous plaît. Parce que des déformations qui sont là, qui sont là, correct dans Salabdia. Il est correct dans Salabdia. Ok. Bon, j'ai l'agir en bas directeur général de la police là, pas grand monde qui t'a fait une mission personnelle, sous l'ordre du directeur général. Ok, bon. Okay. Mais d'accord que le pavlé, il dit non. Non, c'est tout blanc, c'est toi qui réserve lui. Mais moi, m'a dit parce que j'en ai reparti bagarre là, c'est comme si il y a deux directeurs générales, moi-même, moi, ton directeur général ou pas. Non. J'ai été instruit par mon chef, d'alors, pour me dire en mission, et toute réaction gagne, c'est directeur général là qui me gagne. Bon, eh bien, merci. À la fin de la journée, même pour monter comme président, le directeur général a dit, moins bon l'autre, même si vous fatiguez, à un jour, vous y va. Bon, ok, il faut se camper là. Parce qu'on connaît que moi, j'ai un respect pour lui tout, et c'est moi qui invite lui. Lui dit le passe. On va informer ça. Eh bon, et bien d'accord. Mais sauf que Mbao et Odiba qui t'a capable de déranger l'émission, sinon qu'on précise encore d'abord. Dis-moi, est-ce que d'accord que je continue à parler avec vous? DG Charles, ça dérange vous que tu précises ça? Parce que Mbao et Odiba qui t'a capable de déstabiliser ou de déranger dans ce qu'on dit? Oui, Wendel. On va d'accord. On fait mon et bien, pas, ils ont qu'à faire dans l'autre moment. Et oh, ok, d'accord. Pas de problème. Et commandant par raison. C'est correct. Ok, d'accord. Pas de souci. Je suis capable de vous faire une possibilité pour parler bientôt. Puisque ce n'est pas un bail personnel qui a réglé. C'est l'affaire d'un président qui a été assassiné. Je connais. Eh bien, d'accord. Parfait. Merci Vladimir Parison. Ok. Oui. Monsieur Charles n'a pas avancé. Te pose une question tout à l'heure sur l'ambassade. Vous n'avez pas appelé l'ambassade américaine. C'est pas de préoccupation en un moment pour qu'on ait. Est-ce que c'est DIE qui a opéré ou bien est-ce que c'est pas DIE qui a opéré? Est-ce que c'est des mondes qui utilisent non? Bon, bien que, il y a des gens qui ont condamné le fameux Vincent. Il y a des informations qui font quoi que c'est un informateur DIE qu'il y a. Est-ce qu'on est au courant de donner ça? Bon, fait, la première phase là, à chaud, le. Par exemple, moi, je suis privé devant le commissaire Petionville, place Saint-Pierre. Et l'information d'hier, moi, je ça va m'intéresser, je suis arrivé président. Mais par la suite, parce que l'un qui nous contrôlait, parce que l'inquiétude, pas, en tant que directeur général, président Mouré, n'a pris disposition, puisque à Saïan, on était dans la zone, n'a pris disposition pour nous, pour ne pas être sauvés, et puis pour nous prendre en vie. Parce que premièrement, on a tellement des suspicions que comment font chef de sécurité un président, les djous et l'autre monde, et puis ou pas. Excusez-moi, monsieur, ce n'est pas raison qui arrive avant. Moi-même, en tant que directeur général, si le président il l'aime, on va traverser les barrières,
bah lorsque monsieur chef Nebio, nous pas quitter passer sans plutôt nous pas refuser. Pas accès. Donc comment on fait président on l'autre point comment on fait? Moi relé la gueule finalement pas jeune, mais pendant m'a ponté la gueule vient relé dit comment ça passé? Qu'est-ce que dit commandant? Nous avons un problème, nous attaquons le président, nous n'avons pas résisté. Et puis, nous avons ouf. Parce que si il y a résistance, nous avons délivré. Mais l'enquête a été montrée, l'information a été montrée. Le coordinateur n'était même pas sur place. Monsieur Charles, parlez-moi de système de renseignement, la police là. Comment ça t'est? Nous n'avons pas un système de renseignement qui était fonctionnel. Un. Deuxièmement, est-ce que pas aucune fuite, aucune rumeur qui t'est arrivée dans les oreilles? Parce que, il y a des informations qui ont circulé, qui fait quoi que, il y a des éléments, en fait, mettons de côté, moun qui était impliqué directement dans l'assassinat président, mais il y a des fuites, il y a des rumeurs que le président n'a pas assassiné. Nouvelle, ça n'a pas arrivé dans les oreilles ou même? Bon, pour répondre sur ça, je vais me faire un paquet. Et m'a dit ça pour l'histoire et la vérité. L'assassinat du président, il a commencé dans oui? L'enquête sur le massacre qui fait la Saline. Deux ans. Anyway, assassinat président, commencé sous dossier rapport que Pierre Espérance te produit, faux rapport qu'il te produit dans la Saline. Mais qui côté, il a commencé tout et Jovenel. Et c'est ça que je toujours dis nous, depuis 31 mois, Yolène Beto, on avance. Parce que mandat qui était émis, un mandat illégal qui était émis par et un juge qui n'est pas même sur dossier, qui demandait pour arrêter le président. Mandat ça, non juge là dans l'enquête là. Et moi-même, en tant que directeur général, le rentre, le président relève. Il dit, Léonville, bon, on va contre 609, parce que 609, en pile des zones. Contre gang, et puis mes sécurités dans le pays. On commence à faire travailler 609 là, et puis on a attaqué attaquer gang. En novembre, moi, arrivé en novembre 2020, le 16-19, mes salaires. J'ai reçu un appel, parce qu'on m'a expliqué ça pour Cap Diou, qui est information. Un appel de maître Mario Beauvoir, que me tire. Mario Beauvoir, c'est avocat Pierre Espérance, avocat RNDDH. Mario Beauvoir, ça, garçon, nous prenons des gros nous et jusqu'à ce que ça kaba. Ça que Pipiti là va pas s'en bas. Si pays a Pipiti, là va s'en bas. Mais ou même comme terroriste, comme criminel, comme kidnappeur, n'a pas le feu battre la voix. Mario Beauvoir, on avance Léon Charles. Aïe, 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 garçon. On reprend ça pour nous. Pensons qu'il y a circulé, qui fait quoi que gagner des éléments, en fait, mettons de côté, moun qui était impliqué directement dans l'assassinat président, mais tu gagnes des fuites, tu gagnes des rumeurs que le président n'a pas l'assassiné. Nouvelle, ça n'a pas arrivé dans les oreilles ou même? Bon, pour répondre sur ça, je vais me faire un paquet. Et m'a dit ça pour l'histoire et la vérité. L'assassinat du président, il a commencé dans l'enquête sur le massacre qui fait la Saline. Deux ans. Aïe, monsieur. Parce que le mandat qui était émis, un mandat illégal qui était émis par et un juge qui n'est pas même sur dossier. Juge la religion, Roger Noël Sears. Un juge qui n'est pas même sur dossier la Saline, non? Mais Négal prend le fait pour émettre un mandat contre le président. En avance. Qui demandait pour arrêter le président. Mandat ça, non juge là dans l'enquête là. Et moi-même, en tant que directeur général, le rentre, le président relève. Il dit, Léonville, bon, on va contre 609, parce que 609, en pile des zones. Contre gang, et puis mes sécurités dans le pays. On commence à faire travailler 609 là, et puis on a attaqué gang. En novembre, moi, arrivé en novembre 2020. Attendez bien, oui, novembre 2020. Et c'est là qu'on peut commencer pour tout bon. Le 16-19 mai salé. Complot pour novembre 2020, complot pour te bailler premier coup d'État 2021. En avance. Jusqu'à maintenant, Léon Chala bien déposé là. Entendez. J'ai reçu un appel. Uh-huh. Parce qu'on m'a expliqué ça pour Cap Diou. Qui est information? Qu'est-ce qu'il y a là? Un appel de maître Mario Beauvoir. Ok, Mario Beauvoir, lycée, avocat RNDDH, Pierre Espérance. Attendez, oui?
que je me suis rencontré aux États-Unis ou de parler avec pour le dossier. Je me suis dit, je ne parle pas. Je ne vais pas occuper de mettre là. Finalement, je me dis, qu'est-ce pour qui ça? Il y a un tiré les mots. Marie Bovarelim, il y a invité petit bois. Il y a invité au petit bois. Village Petit Bois, c'est village Dimitri Vob, qui n'a deux ambassades américaines. Il faut que vous précisez ça pour nous, Léon Charles. D'accord? Le général me parle pour que vous tout protège moi. Mais est-ce que l'altéré là, il était dit pour qui ça le relo? Mal si bois, moi ça gagne. Uh-huh. Et puis moi, installation, il dit, ah, mon cher, Américain, mais où, nous bal. Non, mais avant Léon Charles, tant de bien, si vous avez si facilité pour vous aborder qui sont ensemble avec vous, dit Américain, Raymond, ça que vous avez dit, vous avez dit dans le téléphone avant. Faut plus explicite, oui, Léon. Premier ministre, dit, oh, premier ministre, comment vous voulez le président? Mon cher frère, c'est parce que le premier ministre, le président invité, le président mette là, je vais le président, faire sport. Mal si bois, moi, ouais, mon yo. Et puis, premier bain fait, moi, le président. Mal coup, président. Qui m'en ouais, DG? Qui m'en ouais? Allez, au pays, hein? Mon yo. Premier complot pour assassiner président Jovenel Moïse là, Pierre Espérance commence et l'en dans le village Petit Bois parce que tout simplement, Pierre Espérance besoin pour Dimitri Vob reprendre contrat à son général. Seulement ça qui fait que Pierre Espérance rentre en dos complot pour assassiner un chef d'État haïtien. Président Premier République nègre, Pierre Espérance rentre dans tout yel pour le faire Dimitri Vob, pour le faire job pour Dimitri Vob qui perd son contrat. Quel qu'on a 20 pays en blackout, ça seulement, Pierre Espérance rentre dans nos complots pour le tuer, président. Pierre Espérance. Navadim, on est concerné dans le pays, qui ça pour faire avec? Est-ce que Haïti est capable de faire pas avec un terroriste comme ça? Avec un terroriste comme ça? La bêtise, monsieur. Parlez, Léon Charles. Moi, ouais, alors, battons nous. Moi, ouais, et comment il s'appelle? Mario Beauvoir. Je ne vais pas rencontrer. Moi, Mario Beauvoir. Dans un local, Tiboyo. Parce que comme dit là, parce que, écoutez, local Tiboyo, moi, ouais, un ancien sénateur Latibonite, sénateur Bergom, derrière la caméra. Mais la police, ouais, la vérité, je dois dire ce que j'ai vu. Et puis moi, sorti, mal contre président, puisque je parlé de Whitman, mal contre président, je dis président, mais ça me connaît. Je ne vais pas parler de sa présidente, parce que le président, malheureusement, assassiné. Moi, je dis ça dans le commandement parce que vous avez contacté l'autre pour le commandement. Je me dis, monsieur, comment ça va se passer? Fais attention. Bon, bah, comme dit là, 7 février, arrestation, vous dites qu'on a mal ça. Pierre Espérance infiltré la police là net, les corps majorité policier, et ça cause où est barbecue devenu barbecue, elle devenu là, oui. Pierre Espérance a besoin de prendre barbecue, oui, pour te faire rentrer dans la gang par là, oui. Sinon, barbecue t'as style policier, oui. Barbecue t'as gros chef dans la police, oui. Mais c'est pour le retenir dans la gang que Pierre Espérance gagne qui est dans la police là. Et ça cause dans le pays d'Haïti. Depuis Pierre Espérance bise tout son policier l'a fait tout yon. Et pas bandit à sa patte la voie tout yon. Son policier l'a voie physio. Et c'est lui même. Yon pape jamais arrêté. Parce que tout juge, lié des juges, j'ai une petite machine, j'ai une ciment, j'ai une fer pour construire un petit caille, j'ai une l'argent. Comme si Pierre Espérance, son corrompu, son terroriste, son criminel. Son les organisations qu'il a dirigé qui sont organisations terroristes qui sont les RNDDH. On avance, c'est grave, monsieur. Inspecteur général. Marie-Louise Gauthier. Gauthier, qui est rentré dans le c'est parce que le patron commandement, il est l'inspection générale. Parce que je me débat un peu avec le commandement. Donc, information était là. 7 février. Par la fête, président Rélim, nous faisons ça pour nous faire. Mais, nous devons nous lâcher. Pas de attention sous lui. Kounien, t'es gagné rumeur, c'est vrai. Mais dernière information, pas gagné, il n'a pas gagné. Mon système d'intelligence pas parfait, il n'est pas étanche, il n'a pas été capable. Mais, il est arrivé infiltré, sécurité rapprochée président. Mais, lorsque Maître là te propose pour. Que la vienne premier ministre, quoi vienne ministre ou bien premier ministre, est-ce que on va arrêter le moment parce que quand même c'était tout dit tout du que pas bien soit un assassinat ou bien un coup d'état. Non mais même qui ça me fait, m'informer président et président dit lui au courant, ok, moi informer instance internationale, l'ambassade américaine, l'ambassadrice et si sont comme dit dans des mots pour parole qui a parlé de bagarre, il dit non, donc ça veut dire nous vienne
pas mettre focus sur ça. On faut tirer sur ça. Faut tirer pas trop pressé. Ça veut dire que toute bagarre sous contrôle. It's not you know. Bon sujet. Don't worry about it. Il pas quoi là dans lui-même. OK. Oui mais pour prendre parce que quoi. Mhm. Pour prendre pas sur. Et puis il dit me pas occupé, pas inquiété. Et puis continuer business la police parce que dernière bataille. Bon, écoutez, je vais répéter ça, mais c'est pour répondre à la question. Oh, OK. Et, là on fait là on parle de Whitman, on fait allusion à Daniel Whitman. Oui, mais qui était dans le dossier, il est connu, Daniel Whitman, qui t'a dit, et parce que, qui t'a dit, t'es mon complot, il faut le dire, t'es mon complot. Mais, il vient d'aboutir, 7 février, moi-même, opération a été faite en dedans, et Tibois, pour nous capables, pour arrêter, mon yon, qui était arrêté, parce que j'en passe, c'est la justice qui traite, je l'ai traité là. Mais, pour continuer, même, mandat ça, il vient nous reparaître l'assassinat président. Donc ça veut dire complot. Je parle de La Saline, Mario Beauvoir, avocat RNDDH, Pierre Espérance. Pierre Espérance m'a fait un point sur l'île. Et mandat illégal parce que le juge là, pas sous dossier. Donc ou associé assassinat. Un président a deux bagailles. Massacre à La Saline, il y a 2 ans, et l'opération avortée du 7 février 2021. Continuité. C'est continuité. OK. On a un petit pause, déjà le temps pour respirer, pour boire un petit de l'eau, puis on a tourné. Mais il y a deux points. Point Badjo a pris Pierre Espérance, là, pour boire un petit temps pour vous. OK. Ou dit Badjo, ou dit Pierre Espérance. OK, d'accord. On a tourné après pause. C'est l'ordonnance, ça. Ordonnance, en effet. Merci encore une fois pour disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Voilà, c'est l'ancien représentant d'Haïti. Léon Charles. Qui 7 février 2021. Continuité. C'est continuité. OK. On va maintenant poser à l'OEA et Léon Charles, dont le nom figure dans l'ordonnance du juge Wester Voltaire, qui enquêtait sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, c'est notre invité. Alors, on compte encore ou toujours disponible, monsieur Charles, pour suite émission. Ou dis-nous que gagner des apparemment, si bien comprendre, intérêt qui poussait ou évoquer non Pierre Espérance et Joseph Badio, c'est que Mounsaout a fait des révélations qui apparemment dérangent. Qui s'est menti, qui parle la vérité, et juge la cité. M'a fini, premièrement, m'a excusé, et téléspectatrice, mon capteur gardé ça, de que si m'ont monté parce que son mari qui m'a vu chaque jour. Donc, plus relax, bon petit de l'eau. Donc, excusez-moi si je t'ai monté le temps. Oui, Pierre Espérance Badjo. Je fais précision ça parce que je n'ai pas de cas à parler, parce que je suis diplomate, j'ai des obligations de réserve. Quand je n'ai pas de parler, je ne vais pas parler pour me dire parler. Je vais parler pour me dire vérité. Et pour parler, garçon. Bon, je vais mettre le dossier à son dos, alors que tout le monde connaît, basé tout le monde. Juge à connaître. Côté, l'homme président sorti. Parce que j'ai tellement d'informations. Attendez, oui. Léon Charles dit juge la connaît qui côté assassinat président sorti. Effectivement, juge la connaît. C'est qu'il faut parler. Ou pas qu'il y a paroles. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Vous comprenez? Il faut qu'on dise. Il faut supposé. Parce que ça veut dire pas d'enquête. Pas d'enquête. Parce que l'enquête qui s'allie. Pour le crime qui fait, un président assassiné, monsieur ne peut pas traiter le conseil à la légèreté. Ou dis-moi m'impliquer. Parce que Badjo dit, Pierre Espérance dit, Pierre Espérance son menteur professionnel, tout le monde connaît en Haïti. Comment faire prendre parole Pierre Espérance? Pierre Espérance impliqué dans l'assassinat président jusqu'au coup, c'est l'initiel, avec mandat. Bon, faut descendre. Avec mandat, juge Noël Sijusseur. Pierre Espérance impliqué dans l'assassinat président jusqu'au coup, Léon Charles qui dit. Pays attendez clairement. Et les faits sont là. Les faits sont là.
Quels sont ces faits? Non, pour Père Espérance, quels sont ces faits? Les faits, Père Espérance, fait juge Noël Sius. Et mettons président comme président de la République en fonction. Aïe, 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 messieurs. Léon Chalap Gaye, on n'a plat. Et pour parler, garçon, pour parler, parce qu'on y qui choye dans le monde, ou qu'a parle avec pays a besoin de parler, faut parler. Vous comprenez? Ou qu'a parle avec pays a, faut parler. Parce que vérité était la vérité. Et pour dire pays a qui choye Léon. C'est Pierre Espérance même, oui, qui fait juge là et mettre mandat contre le président Jovenel Moïse, oui. C'est à quoi? Quelle cause dans le pays ça, oui? Il passe la société appartient. Oui, mais est-ce que, non, mais est-ce que le gain droit ça? Tout le monde connaît que Pierre Espérance, c'est un défenseur de droit monde, l'a dirigé une organisation, sous qui base du café, il met un mandat pour arrêter. Là, Mario Beauvoir, c'est l'avocat du NDDH. Même mandat ça a été présenté dans l'ambassade américaine en Rouen, Mario Beauvoir a présenté. Ok? Il a utilisé pour assassiner le caractère président. Ok? Et tout ça que tu as fait pour le président. Mais bon, bon, on retourne sur la question pour me dire, avant de tourner sur l'espérance, je vais quitter le bout dernier. Badjo. Badjo, oui, nous te connais Badjo. Après, en 2010-2011, au ministère de la Justice, nous sommes toujours apportés des ans à SMD dans le cabinet ministre de la Justice, Paul Denis. Nous travaillons avec Badjo pendant un petit temps. Mais Badjo, c'est Badjo, même si c'est Léon Charles. Je suis retourné aux États-Unis, je suis retourné en Haïti à plusieurs reprises. Depuis 2012, je n'ai jamais contact avec Badjo. Il me dit devant le juge. Et la nuit, durant la passation du président, relevé téléphonique dit que Badjo a 17 fois. Je ne pas répondre. OK? Donc, si vous avez fait ça, vous ne pas parler à monsieur. Et puis, vous avez cité que le dit là, le code. Donc, pour question de crédibilité, au moins, si tu dis ça, ou t'as pris les moins, bon, Max, c'est pour me défendre tes points. Ou bien, mettez preuve que dans 10 dernières années. Un moment, qui est-ce qui dit que Badjo Relo 10 à 12 fois? Dans l'enquête là, on a beaucoup fait, monsieur FBI, moyen, ou le téléphone digicel, il y a 17 appels qui fait. Il y a un appel que je fais à président. Ok, il y a tout appel, yo là, et technologie. Non, mais, de... non, en quelque sorte, appel Badjo, Badjo t'es relo vraiment ou pas très relo? Bah, on est, bah, bon, Badjo. Badjo, si on dit Badjo, il est, bah, bon, il y a l'autre qui est, il est sur un signe au téléphone, que me dit, l'homme d'affaires étrangères. 48, 88, 98, 98, que me pas utiliser. Peut-être qu'il y a pris l'homme sur le téléphone, mais pour qui ça y a pris l'homme? Donc, révélation, ça c'est qu'est-ce qu'il fait lui? C'est Pierre Espérance qui fait lui? Qui dit Badjo Relo plusieurs fois? Oui, Pierre Espérance fait. Bonjour Pierre Espérance. Bon, quittez-moi finir sur Badjo, s'il te plaît. Ok, d'accord, on allez. Badjo, je ne vais pas à Badjo, ni dans la semaine, dans le jour assassinat du président, ni dans la semaine, ni dans le mois, ni dans les 12 dernières années qui passent avant. Comment on est capable de connecter à Badjo? Ok, donc cela, c'est le juge a mis une décision dans le point qui fait dit Léon Charles et complice. Mais c'est de la méchanceté. Les gars voulaient écraser l'enquête président. Moi, remettre des missions pour me cabaler. Au fur et à mesure, je parle avec moins d'émotion ou avec Suzanne. Mais le dit, monsieur, mon président assassiné dans plein de deuxième siècle. Et puis, quand il y a pour mon abdi, il a fait des supputations, il a dit qu'il avait évoqué des questions au discours président estimé pour dire les bergers ont livré. Mais écoutez, pas d'enquête. Pas d'enquête, moi-même, ça m'a fait là. M'a fait bataille ça pour me laver non. Parce que je n'ai pas gagné pour moi, président. Sauf que moi, j'étais directeur général. Et, gros bagaille que moi-même qui attire l'attention là. Ou dit, ou a fait bataille ça pour laver non. Effectivement, on doit faire pour laver non parce que, sous pas la dent, il faut qu'on bataille pour laver non. Même, je veux ajouter que, ou doit bataille pour faire pour aider le pays. Jeune justice, pour aider jeunes, yo. Comprendre ça qui est passé. Aider le pays.
fait mettre criminel en bas code. Et de nous jeunes la vérité. Et c'est techniquement parlant, nous avons fait plongaer parce que vous connaissez que pour aller en pile monde qui va parler, mais vérité qui va passer, et comme si nous avons dit passer comme une lettre à la poste. Mais depuis, ouais, nous même nous prenons engagement. Nous connaissons exactement ça pour nous jeunes. Nous jeunes, la vérité, il va passer comme une lettre à la poste. Parce que nous ne sommes pas vagues. C'est la vérité que nous connaissons. Est-ce que vous comprenez? Et m'a dit plus oui, ben ben permet tout fin avancer. Pour Pierre-Espérance, le personnage Pierre-Espérance, défenseur des droits de l'homme de tout temps, mais c'est mon qui violait plus droit mon pays. L'imposer en tant que juge, Pierre-Espérance gagne où il résout tout côté. Premier bataille mon frère Pierre-Espérance parce que me raconte tout temps. Pierre-Espérance gagne un réseau dans la police, dans tous les côtés, dans le commissariat. Si vous avez un incident passé, je vous connais Pierre-Espérance gagne parce que la paix est policière dedans. Moi, je fais bataille avec elle. Le jour, l'homme qui a arrêté Colombien, avec l'aide de population, bien entendu, je ne vais pas prendre crédit ça. Je commence à faire opération hein, parce que l'objectif, moi, c'était pas quitter l'assassiné président et Assayan pour me faire les morts, pour faire enquête là. Le 7 juillet, vous avez transféré les gars de CPJ, transféré les gars de commissaire à Pétionville à de CPJ. Premier monde, vous avez dit, mais je ne vais pas la moune, je ne dis pas que je vais faire ça. Dans la frontière, la police a fait enquête, nous avons venu, nous avons dans la situation où nous avons violé les droits, pour qu'on prédise à mourir, nous avons posé la question, nous pourquoi pas accès. Pierre-Espérance n'a jamais pas donné pour ça. Pierre-Espérance participait dans plusieurs rencontres. Ah, dit oui. Emmanuel Sanon. Et organisé. Pierre-Espérance serait l'aime. Jour assassinat président. Pendant ma bonté. OK? Pierre-Espérance, Kounia, l'on connecté tout ça. Oui, mais c'était pour dire qui ça, le réel, là. Pas répondre. Non, donc vous ne connaissez pas qui ça, le bal dit. Pas besoin de parler avec vous, ça l'a pris. Non, mais est-ce que. Bon, c'est. Non, mais DG, est-ce que c'est pas au manquement bon côté tout le fait qu'on ne peut pas répondre? Peut-être qu'il était capable de dire, sous pas au courant, tu n'as pas alerté au bout du que, attention, la vie du. Non, tout bien Pierre-Espérance, comme journaliste en pays d'Haïti. Et que pour. Tout journaliste Pierre-Espérance, parce qu'il connaît. Vous connaissez son corrompu, lui. Vous tout connaissez son corrompu, son théoriste, son criminel, son gang, vous tout pelle. Et puis, il a parlé de tout n'est pas essayé de mettre ton bémol. C'est nous qui faisons l'abdé trop pays comme ça. Pendant que nous tous connaissons assassins liés. Nous tous connaissons le bon monde. Et puis nous disons comme si nous avons béré le bec, nous protégeons, nous connaissons le terroriste qui est lié. Franchement, messieurs. C'est le pas pour arriver. Est-ce que c'est pas ça que le tabac dit ou? Non, parce que c'est peut-être un suspect, parce que le président n'est pas là avec. Oui, mais président. Monsieur Charles, comment tu fais qu'on est déjà que le son suspect, puisque c'est l'assassinat était en cours, en quelque sorte? Je ne vais pas faire enquête là pour le juge. Le juge a fait enquête, il a décidé, moi, Pierre-Espérance, laver, Léo Charles, et inculpé. Je défends ça. Mais je dis, pour l'histoire la vérité, Pierre-Espérance participait dans toute planification de production rapport que le fait sur la saline, mandat illégal que le juge ne s'est suspecté. Mais monsieur, il faut ne pas l'aider. Fondil. Faut le dire ça. Pour qui sa société a pas fait deal? Mais je ne laisse pas monter. Et puis c'est Pierre-Espérance. Tout n'est rapport là. Tout n'est pas messieurs. Ça n'a pas pa évoqué dans l'ordonnance là. Ah, c'est juste à connaître. C'est juste à connaître. Est-ce qu'on t'a dit juge là ça? Moi, dans les deux premiers, ça n'a pas soulevé. Mais il y a des commentaires qui font en dehors de l'enquête. Okay? Mais, je n'ai pas besoin de dire. Parce que Pierre-Espérance, pour qui ça Pierre-Espérance depuis l'homme quitté? Pierre-Espérance, Léon Charles par la Badjo, Léon Charles par Cob, Léon Charles fait ceci. Pour qui ça obsession ça? Soit violé, ou soit défenseur de droit. Même si je t'ai inculpé, même si je t'ai criminel, il y a droit tout. Ou il y a droit, non seulement le faire devant le juge là, il y a tout un réseau. Quand parler de Léon Charles, quand il a menti sur Léon Charles. Donc, Pierre-Espérance, qui a une réputation, il a menti sur le monde. Nous songeons, Chelson Sanon, qui fait 10 ans en prison, sur menti et en DDH. Donc, ça veut dire, il y a des personnages
qui n'ont pays, hein? Ok, ils ont imposé, yo. Comme ils ont tout dossier, ils ont le droit pour détruire monde, et puis personne va dire rien parce qu'ils ont un circuit tout côté, tout côté. Moi-même, m'a dit ça me connaît, même Jean, m'a pas menti sur lui. Et gagner mon capitaine de me répondre qu'est-ce qui se passe, espérance. Donc, juge là. Est-ce que l'Europe dit nous, monsieur Charles, est-ce que l'Europe dit nous que juge là t'es quitté l'influencé par d'autres personnes dans l'élaboration ordonnance là? Est-ce que c'est ça ou envie de dire nous? M'pas gagné pour moi à questionner le travail juge là. M'a parlé de situation pam. Juge la cité des mondes que qui selon lui-même qui confirmait que m'était un assassinat président. Moi dit non. Qui motivation juge là? Le temps bral dit. Mais moi-même, ma version pas. Si on l'autre enquête qu'a fait, faut qu'on l'autre enquête fait parce que trois présidents de justice. Et m'a dit là, m'a fait du cocalan, mais m'a dit en tant que zami président. En tant que monde, moi j'ai responsabilité que m'était là. Chef de police, je ne peux pas reprocher, je ne peux pas inculper, dire que c'est moi qui fais. Donc, vous êtes d'accord que vous avez jugé ou même sanctionné pour responsabilité en tant que chef de la police, mais ou pas complice, ni ou pas de connivence avec les assassins, les auteurs intellectuels, les auteurs intellectuels de l'assassinat? Résumé pour nous, sont témoins. Ou pas sème de témoins, accomplices, auteurs, juge et commissaire gouvernement essaie de faire lui. Je me dis comme auteur. OK? Mais, ou pas d'évidence, ou pas besoin d'évidence pour impliquer, soit pour enquête sérieuse, soit comparer compte en banque, côté monde qui finance l'assassinat président. Alors moi-même, Léon Charles, mon chef de police, mon corps, est-ce que vous vérifiez compte en banque? Côté monde qui finance l'assassinat président. Côté moun ki bay l'argent pour tous les Jovenel, ça li important. Moi-même, ça m'konne Léon Charles, qui s'en amène, et qui s'en amène. Et qui a dit pays à ça. Léon m'konne, on capable bay li ou, faut bay li ou. Et nous-même, nous besoin, oui. Oh, faire sport. Je ne peux pas parce que je ne peux pas en pile. Côté, est-ce que vous vérifiez, pas de vérification? Mm-hmm. Une enquête est basée sur la présentation des faits. Où sont les faits? C'est ce que le président estime qui te dit, ou bien nous traite, c'est pour. Mm. Non, c'est ce que. Qui rapporte, bon, c'est vrai que c'est chef la police oui, en général, ou TI en général, entre ou même et DCPJ. Il y a des gens qui font quoi que ou t'es exercé des pressions sur DCPJ, ou t'es exigé des rapports au quotidien, pour qu'on ait dans quel sens enquête là pour aller? Bon, sous enquête là. Oui. Sur rapport de CPJ, rapport de CPJ d'abord. Oui, bon, c'est l'enquête. Alors, enquête de CPJ, pardon. Et rapport de CPJ. Écoutez, président mouri, il a assassiné le président, pardon. Et nous avons pour obligation, moi-même, en tant que responsable, pour me faire tout ce que je suis capable pour me quimber et assassiner, pour mener une enquête le plus vite que possible. Et pour nous capables. Des éléments, arrêtez les gens qui sont capables, parce que je ne peux pas prêter. Mais moi, fait 3 mois ou 2 mois et demi, dans 30 jours, 34 jours, nous faisons une enquête solide, 800 pages. Mais je ne peux jamais enquêter là. Je ne peux jamais demander des CPJ. Parce qu'on enquête là dans la tête. Moi, vive douleur, moi, vive difficulté de nous mener enquête. Nous menons enquête ça, sans nous. Déplacement en province, à chercher les gens. DCPJ, c'est le directeur central de la police, c'est un collègue, il est très proche de moi, en tant que professionnel, c'est un non-professionnel, un technicien, qui sont enquêteurs, des informations, toutes les sont des qui discrets, nous avons de grands rapports, mais nous respectons le travail. Mabzou, ma volonté information ça. DCPJ, c'est une équipe correcte, gagnez-le. Il est avancé, il a fait, il dit, non, je n'ai pas allé là, pas allé là. OK? Je n'ai pas d'accès à l'enquête là, il n'y a pas d'expérience, il m'a retiré, on part ici. Je n'ai pas d'enquête là, non? 800 pages là. Je n'ai pas demandé. Son enquête qui fait, son changé, nous avons une collaboration, et Interpol,
FBI débarqué. La direction d'intelligence nationale de la Colombie débarqué. Nous avons 4 entités qui ont fait enquête là avec nous. C'est ça qui fait, dans moins de 30 jours, nous avons arrêté les gens. Nous avons un commissaire gouvernement très dynamique qui a travaillé tout. Nous avons arrêté tout le monde, sauf que c'est l'autre plus difficile. Donc, mais nous pas arrêté Boulos, nous pas arrêté Dimitri, nous pas arrêté Dieu Dieu, parce que commissaire gouvernement est en décès de mandat de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire tout le monde pas en bas code, non? Vous comprenez? Ça veut dire que gros palto n'est pas en bas code. Et c'est gros palto qui est en bas code. Est-ce que vous comprenez? Nous avons été à distance pendant ma instruction. Et sur vous, c'est pour une difficulté. Si par un cob, vous faites déplacement en province. Nous fait plusieurs, on a cherché Mme Kwok en province, dit caché. Et nous ne nous pas de jeunes malheureusement. Nous t'es qu'à jeunes. Si nous te déplacé à l'DL, Mamlade, je suis sûr que nous sommes capables de jeunes. La police a été infiltrée, il a aidé le jeune information. Nous sommes capables de jeunes. Si nous te lançons un pour nous détruire, nous sommes jeunes. Oui? Et pour nous détruire mal propre, il y a Maman Lougaoua. Et pour nous dévider le soleil, faut diviser sur la province. Là. Nous sommes jeunes. Nous pas jeune ni. Enquête là pas mené avec l'argent. Si nous enquête avec l'argent. Depuis notre première expérience, nous avons jeune ni tout, oui. Depuis première expérience, nous avons jeune ni. Et si nous demandons sénateur Maurice Jean-Charles tout, il a dit nos côtés liés. Madame Wendel Coctello. Ou pas Blanchil? Juge théoriste la Blanchil, oui. Juge gang non. Il blanchit madame non, oui. Il mette Martine. Dans place madame Coq. Quel est Martine qui n'a pas le président? Donc, son enquête, nous mené avec son. Avec professionnalisme, enquêteur, bac. DCPJ, c'est des professionnels qui n'ont DCPJ. En pile respect pour eux. Donc, le Pierre Espérance dit que vous retirez une enquête là, c'est parce que Pierre Espérance est rentré dedans. Il y a des policiers qui ont infiltré. L'ancien directeur général a dit dernièrement, le titre, vous voulez contrôler tout le bagaille, la corrompre pour y accès. Mais, pas jamais, seule enquête que vous avez. C'est résumé à 125 pages là, sans amis de gouvernement, m'a même demandé de CPG. Donc, pas gagné à faire de me retirer page, patate, patate, c'est fabrication puis espérance, et puis la plaque, il la résout. DG Charles, il y a un monde qui croit que c'est un petit peu en légèreté, si vous déplacez en tant que directeur général de la police pour aller, pour déplacer, pour rendre un petit bois, pour aller rencontrer un monde sans un motif réel pour son sujet si sérieux, qui c'est une promesse, quand on parle de promesse pour un ministre ou un premier ministre, alors qu'on est déjà un directeur général et pas rien de sérieux qui fait en termes de suivi réel à situation Tibois, Monsieur Charles. Non mais, qui ça me dit, Monsieur Relem, ou même qui n'a dit que mon tal que président. Mais qui n'a dit tout que gagne bagaille si t'es fait président, t'es capable pas assassiné. Alors que Thibault a fait le 7 février, où tu es déjà directeur général, 6-7 juillet, où toujours directeur général, on fait observateur capable de dire que, mais qu'est-ce qui a été fait pour empêcher l'assassinat du président? C'est question ça, on a posé aujourd'hui là, M. Charles. Mais, on a fait spéculation, mais bon, ça me fait. On pas arrêté, on pas rencontré les gens qui m'attendent pour d'état fait, on participer. Non, Marco Président, mais formé instance internationale qui a dit qu'il était là-dedans. Et puis, finalement, l'opération a été faite. Je participe à l'opération pour arrêter Mounio Tibois. Ok? Mounio a l'air briso. L'autre offensive qui est faite pour l'aider. Mounio l'a dit. La police a continué de travailler. Sauf que a changé de stratégie. Nous corrompons l'unité de sécurité président. Mais moi, je fais ça pour me faire. Ok, M. Charles, est-ce que selon vous-même, il y a des gens qui n'ont pas d'ordonnance, qui n'ont pas d'adoué là-dedans, et des gens qui n'ont pas d'ordonnance, qui n'ont pas là-dedans? Bon, moi-même, je parle de. Et son. On va dire enquête,
c'est des interrogatoires qui fait pendant 20 mois. Et mais si nous sommes capables de passer à côté, ou de moins, pour confirmer ça, il faut que vous ayez preuve, vous ayez fait, vous pas capable de soubattre, je Pierre Espérance, et vous avez dit impliqué. Non. Et pas de fait, pas de analyse approfondie, enquête approfondie qui fait, ni niveau d'importance pour vous ayez et enquête là. Enfin, enquête là, ou du moins c'est. Et travail juge là, il n'est pas arrivé dans le niveau pour arriver là, donc mon côté moment cassé. Ça concerne moi-même, on juge traité de voler, de crime. Il faut me défendre l'homme, parce que moi, le, Léon Charles, c'est Léon pour moi, Charles là, c'est pour Timounio, pour moi-même. Donc, moi, retiré comme dans le gouvernement, parce que je me sens pas à l'aise. Les gars, ils m'ont dit, ambassadeur, ils me sortir. Ils fait me sortir, ils fait me paraître comme un criminel. Tout le côté, Léon Charles, l'ambassadeur après lui, je me dis, je ne peux pas prendre ça. Qui réaction? Ça veut dire. Ça, c'est honte, bagaille, ça y est, là. C'est grave en pile, oui. C'est grave en pile, oui. Ça cause moi-même, m'a dit que, monsieur, ça y est, théoriste, ça y est, qui dans l'état pays d'Haïti, bon théoriste, ça y est, en vérité, mon Dieu. Si nous pas pressé font bagarre avec nèg sa yo n'a pas du pays parce que ce sont des terroristes qui oyé action yo ça zak malhonnête que franchement men aïe 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 monsieur tchatch on va parler de l'autre monde tout le monde wel tout le monde wel m'a parlé peut-être moi m'a parlé tout pour enquête président finalement fait on l'a. Qui réaction ministre ou ministre supérieur ou qui réaction premier ministre là après au fin apprendre qu'on est premier ministre tout le président c'est pas loin de mon cher. Non et premier bagarre me fait mon cher c'est 35 ans me fait dans l'état OK j'en dis là et gardes-côtes et la police et diplomatie donc c'est police l'armée diplomatie donc carrière 35 ans me presque me rivé dans le me devoir retraite moi. Mais c'est bien malheureux, c'est comme ça m'a sorti. Je voulais être correct. Je démissionné en tant que représentant permanent à l'OEA, mais je demeure un ambassadeur. Et puis devant, je vais prendre retraite. Parce que j'ai fait, avant que je me rende public, j'ai écrit à mon ministre. Je vais un texte pour lui. Je vais laver, je me dis, ministre, la situation, mais ça va arriver parce que je demeure en subalterne de ministre. Sa réaction. Le ministre Mekwil, je vois la lettre là-bas. Il dit, je ne suis pas la BM. Et je ne suis pas venu là pour dénoncer personne. Je viens là pour défendre nom. Et pas recoucher. Léon Charles, où qu'on est Ariel Natoué président? Où qu'on est Ariel Natoué président? Franchement, mais malheureusement, nous ici, nous toujours aimé job. Nous toujours aimé job comme si. Pour nous protéger un job, nous peut tout. Parce que nous sommes qui capons. J'aimerais là. Façon parler, nous sommes qui capons. Bon, nous avons petit tout. T'as même eu à venir Timounio, Timounio qui a grandi. Moi, je ne sais pas. Regardez ça que je ne sais pas. Je ne sais pas comme capé, non, pour Haïti. Défendre et faire promotion pour le président de la justice. C'est ça que je fais là. Ok. Même pas venir casser, accuser personne. Parce que ça cap sortir la sortie quand même, mais il faut que le président de justice. Ma pourrais poser aux questions encore. Qui ça, mon audio, le PM à qui vous avez parlé, aussi le ministre des Affaires étrangères, qui ça audio l'a annoncé au quoi pour tirer corps du gouvernement pour capable mettre disponible pour la justice et même défendre tête ou défendre non, ça audio. Non, mais. Et je ne vais pas révéler la conversation avec le ministre PM, ok? Mais. Le fait que là, faut pas aller. Je suis sorti. Je suis sorti sans fracas. Je vais faire fracas puis devant parce que c'est un dossier. Mais. Vous allez faire fracas? Moi, fait. D'aller, Léon Charles. Léon Charles dit qu'il va faire fracas puis devant ce dossier. Léon Charles, vous avez pour 10 pays à y mettre là. C'était régulier. Je parle à la ministre, je parle à la PM. Et là, je ne suis plus représentant permanent d'Haïti. Moi, ma. Bien entendu, on peut me supposer faire avec conseiller, avocat, n'attend que l'ordonnance signifie et ben nous, pour nous faire ce que de droit,
et fait appel, rivé jusqu'à ce que côté pour rivé. Et Léon Charles continue bataille pour le défendre. Et l'autre phase que enquête président Balprin n'a pas là pour me faire. Sauf que, je dois le dire, je ne me sens pas en sécurité. Parce que moi, j'étais venu 5 fois déjà. Malgré mon dit, mais il n'y a pas été intentionné pour me dire, écoute, parce que le président a assassiné sous moi. Si Léon Charles pas descend dans le palais, je n'ai pas d'enquête. Je descends 5 fois. Mais dans le dernier moment, moi, je vois que je ne me sens pas à l'aise parce que c'est droit, même si Pierre Espérance n'est pas d'accord avec ça. Moi, j'ai le droit pour me défendre tête moi, même si je suis criminel. Ok? Pas ça du tout. Je suis innocent. Blanc comme neige, dans la question ça. Sauf, les faits sous moi, ma base, ils ont témoin important. Pour ne pas dire, le témoin numéro 1. Il y a une information, même pas dit ça là. Il n'y a pas mon opportunité pour me dire, il y a tant de ragots qui dit, l'autre n'est pas remé Léon Charles. Parce que nous sommes personnels controversés. Vous voulez controverser, il y a une équipe à remé. Je ne vais pas faire pour ça. Moi, j'étais directeur général en 2004-2005. Nous sommes qui ça me fait. Je ne vais pas négocier à Banzi. Je ne pas négocier. On Banzi, c'est la loi, je travaille avec moi. Ça ne va pas violer les droits, bien entendu. Okay? Le monopole de la violence, c'est justice. Je me fais. Dans le secteur 9, je tourne là, c'est même pas elle me fait. Je ne pas négocier à Banzi. Et puis, je dit, Banzi, c'est Banzi. Je ne pas négocier à ça. Parce que la prête. Et c'est ça qui mettait dans la situation. Ça. Le nègre a monté à jouer guitare. Avec Bandi pour apaiser eux, Bandi a vu une confiance, et puis il fait école, et c'est ça qui mène là. C'est conviction, pam. En 2004-2005, j'avais les bandits en face de moi, en face de la police nationale. Avec tout respect pour la police qui me travaille avec eux, mais où il y a certains bandits qui ont filtré la police, avec manipulation politique, et ça qui mettait dans sa ligne là. Donc, voilà. Ok, maintenant, après le président fin assassiné, il y a un paquet de paroles en pile qui t'a circulé. Dans quel niveau nous avons considéré paroles ou allégations comme des spéculations non fondées? Par exemple, il y a des gens qui ont allongé douette sous international, faisant croire que c'est eux qui ont assassinat président. En tant que chef de la police, d'alors, vous pensez que international, puisque vous avez une information coupable là, mais on va bientôt, est-ce que nous avons quoi que assassinat président, tu as sorti l'autre bord frontière, l'autre bord de l'eau? Bon, et je ne vais pas rentrer dans l'aspect, parce que l'enquête l'a faite à deux niveaux, à plusieurs niveaux. Bon, international a fait les États-Unis, FBI, et une enquête qui est très avancée. Et je ne vais pas le faire. Je ne vais pas obligé de répondre à la question ça, Kounye. Hein. Très bien. Et, OK. Et, non, vous ne devez pas répondre. Vous ne devez pas répondre. Qui ça, vous pensez tout le fait que une équipe monde américaine vient prendre ici, là avec vous? Et puis, il y a une équipe qui était ici. Et tout ce monde que nous avons cité dans l'assassinat. Bon, bien entendu, le crime fait en Haïti, et c'est Haïtien qui se voit, moi-même, selon l'information que j'ai, je suis capable de l'autre élément. Mais il y a des éléments qui ou connaît, bon, ça me connaît, je jours. Des fois, et des monde qui travaillent à l'international, là, même si au pas travail utilisé et passé au c'est informateur et puis là ça pour nous mêmes nous avons une appréciation pour blanc sur quelque soit correct puis qu'on a les minéralistes c'est même dit c'est même là et puis une tendance c'est ça il fait partie de l'habitude qui est en Haïti mais et des fois il exagère c'est ça qu'il fait et ça non te dit c'est le département d'État qui voyait c'est ça, on te dit tout. On te dit, on va le premier ministre parce qu'on est américain même. Vous comprenez? Des débats, on a assumé. Et puis, il y a des gens qui viennent
et prendre un joueur de la vie. Ça, mm-hmm. il contribue à ça, c'est la présidente, même pas pour dire, c'est l'international. C'est ça. Tout, mais toujours à la lumière de ce qu'on a en amont comme information, de ça au disposé comme information, on se dit là qu'on croit que c'est voix, c'est les Haïtiens. Dans quel secteur? Secteur politique, secteur commerce, secteur des affaires, pour ne parler de cerveau assassinat. Écoutez, moi, Mabdil et le public, nous avons fait conclusion. Le président Jovenel, depuis le monté pouvoir, pendant le restant, il n'a pas quitté dirigé. C'est tout. Okay? Nous connaissons tout le monde. Ils ont assassiné le président, le caractère du président, avant même de l'assassiner physiquement. Donc, on tout ce qu'ils ont fait. Ils ont créé une ambiance pour rendre le président incapable pour le travail. Alors que le président, c'est Zan même qui a dit ça. Je parle à la président chaque jour, plusieurs fois par jour. Le président, son équipe de travail, lutter contre la corruption. Et puis, le système est tellement fort, il y a beau jusqu'à ce qu'il soit assassiné. Moi-même, moi, j'étais dans le système, je n'ai pas force à conclusion, même pas mener enquête là. C'est des bails que je me connais. Je ne vais pas dire là, mais devant, si je n'ai pas l'opportunité pour me jeûner, pour me sentir en sécurité, pour me dire. Parce qu'il y a un exilé, on descend en bas, n'est pas marrant. Écoute, on est il y a extradé. Je vais faire une bataille là pour m'aider, président de la justice. Je vais appeler laver nom. Mais ça n'est pas possible, monsieur. De qui sont victimes là ou même? De qui sont victimes? Bon, victime que Negio, 35 ans de carrière. Non, est-ce que vous victimes, puisque d'après ce qu'on dit là, ils ont accusé injustement, ils ont calomnié, est-ce que vous admettez que vous victime de quoi que ce soit, d'irresponsabilité ou bien d'inconséquence, ou de qui ça vous victime, ou sentez-vous victime vous-même? Ou bien de monde qui seulement par un mot? Là, moi victime de décision juge. Okay? Sur la responsabilité pénale de l'exécuteur général de la police, juge-le. Voyez-moi à le juger sans assistance de juge. Non, Léon Charles, là, ça a prêté dans le dôme tout le temps. OK? Mais justement, ça a prêté à le casser. Moi, victime de ça. Moi, victime d'une enquête qui n'est pas faite. D'une enquête qui. Pas dire enquête. Un dossier pas fini. Un dossier qui n'a pas un niveau de professionnalisme. Un dossier où l'auteur qui a été banni, son président assassiné. Nous pas qu'à quitter l'image là, rester comme ça. Bon, bagay m'a dit là. L'assassinat président, ça a tellement un bon impact sur la société. Là. Le secrétaire général de l'OEA l'a dit. Haïti ne jouira pas de paix et de stabilité tout autant que justice ne soit pas accordée au président de la République et à sa famille et au pays. Le bon bagay qui sous donne là, nous fait complot. Nous fait complot. OK? Nous bloquons le président fonctionner. Il perd du 4 ans et demi. Qu'on y a qui s'allier. Ou jouer une baille à la vigne pire. Moun baga fonctionner. Ok? Parce que l'école, tout droit moun voler, violer. Haïti, c'est l'endroit, c'est le territoire où les droits humains sont violés systématiquement. On parlait de insécurité. On parlait de peur pour sécurité. Léon Charles, moun qui dit ça que de pour descendre en Haïti, la négo a maré où? Mais ou démissionner, c'est-à-dire qu'on pas lié encore avec le gouvernement, mais on était ambassadeur, si vous me prenez parole. Est-ce que ça veut dire que pour ça, s'il y a une décision pour t'apprendre, si tu as un procès qui fait contre ou, est-ce que c'est par contre une masse qui a pour juger, parce que ou pas descendre par le prince, ou pas venir juger, est-ce que nous sommes capables de déduire ça? C'est pas ça, M. Wendel. Je vais vous question. Je vais vous dire une question. Les funérailles du président ont été chantées, réalisées au Cap-Haïtien. Dans le Cap-Haïtien, il y a une information que nous prenons un risque. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de funérailles du président. Effectivement, je rentre c'est une barricade, coup de zame qui me sortit. Mais j'ai été moins de menace. Pierre Espérance te dit Léon Charles, je ne vais pas dire Léon Charles, Léon Charles,
et fait, il fait tout, monsieur, bon, bah, ça. Il y a des gens qui sont en sécurité, parce que dans la première convocation, ils ont convoqué M. Map descend, ils ont convoqué M. Bar, dans le parquet, côté Isopra, moi, dit me aller. Je descend, et puis, bah, elle a changé pour monter, frère. Moi, aller. Je connais des menaces, je battais pour sécurité. Pour me faire. Moi, tout encore. Si tu as gagné suffisamment d'évidence, tu as qu'un bébé. Je suis prêt, je suis coupable, je suis en évidence. Je suis allé en prison parce que j'ai une évidence qui dit. Parce qu'on est en Haïti, les gars font complot, ils disent faut que Léon Charles aille en prison. Parce que je suis mis en prison. Écoutez, pour si vous avez une justice qui a fait, pour y a ça qui passé. Monsieur, m'pa lié, m'pa gagne privilège aux fonctionnaires. Yo gagne façon pour yo prendre. OK? Si États-Unis dit la fait la m'pa gagne écoutez, m'pa dit m'pa vini. Ça va dépendre de moi parce que écoutez, monsieur citoyen haïtien, m'ka capable entre-temps ba tête prendre l'autre précaution, mais tôt ou tard enquête la fait et Léon Chalap là. Mais ça fait là, il gagne pile mal, il pas enquête. Parce que accusation que vous fait contre moi yo, yo pas kembé. C'est Badjo qui dit, ok? C'est Pierre Espérance qui dit, Pierre Espérance, pas jamais hésité à parler mal de Léon Charles, pas comme ça, monsieur Alain Avem. Parce que je me dénonce, et m'a dit ça là, parce que mon obsession Pierre Espérance, n'est là, n'est comme, pour qui ça? Pierre Espérance toujours a dit, ah, Léon, pour qui ça va arrêter le barbecue? Je dis, si Pierre, pas fait mal comme ça. Je dis, même le président va pas dit m'arrêter, mon. Ou je dis, pour qui ça va dire m'arrêter, s'il a appelé? Alors, je fais battre à 509 là et je fais battre à 509 là. Vous voyez? Et puis, quand je rentre dans la gang, je rentre dans la fièvre gang pour être mal à l'aise pour me sortir, pour me prendre. C'est ça que je fais. Je me dérange un peu le monde qui m'a fait ça. Donc, je comprends de 2004-2005 à quand je Léon Charles sont combattants liés. Le fait que je ne suis pas négocié, je ne suis pas d'accord pour ne pas avoir gang comme. Ok? Pour calmer, c'est apaisement lié. Il n'y a pas bon gang, il n'y a pas de changer. Mm-hmm. Okay? Donc moi-même, position PAM dans 35 ans que je suis dans le pays. Ok? Nous mettons en bas accusation sur le domaine international, là, ouais, Léon Charles et son criminel. Nous, si reste qui était, il y a 57 ans pour nous. Si reste qui était, c'est pour défendre Charles. Nous avons fait ça à Léon. C'est pour défendre Charles. Mais si reste qui était, c'est pour contribuer à ce que le président donne justice. Mm-hmm. Parce que le président. Donc c'est ça me dit. OK, deux points d'après moi avec vous. Oui, pour nous finir et okay. Pour nous finir parce que m'admettre que me prend en pile dans temps où et monsieur Charles bon c'est ça. Bah un job. Donc disponible, c'est ça me fait. Oh OK. Maintenant, ou dit nous quoi pour rentrer pour une autre enquête. Ou dit nous rentrer pour une autre enquête. Non mais parce que ça pas enquête. Non, écoutez, premièrement, si je n'ai pas menace sur moi, même si je n'ai pas menace, mais ça, je l'ai dit, ils sont menacés sur moi. Alors, ça, je veux dire, quand je veux dire avec vous, c'est que pendant que je n'ai pas enquête, là, je me une voice que Badjo t'a fait sortir, il était même tenté de démanteler, si vous voulez, rapport de CPJ en tout. Il dit que ça, ce n'est pas rapport, ça, ce n'est pas enquête, ça, c'est on bouille vide. Bon, ce n'est pas exactement ça. Il dit, bon, c'est parole PAM. Bon, je vous dis en tout, et M. Charles, vous voyez jeter d'un revers de main en ordonnance là. Moi, c'est comme si M. Dadiou, tant que M. Gouk te dit, la vérité est au fond du puits, la difficile pour moi de connaître. Et je dis à tout le monde qui nous a cité dans le rapport, à part le monde qui est aux États-Unis, qui déclaré, qui reconnaît que il est coupable, mais en Haïti, tout le monde nous a cité dans le document rejeté. Bon, et procédure là, c'est ça lié. Si vous accusez ou non, vous accusez sur protection, et la loi dit que ça vous fait appel, ok, vous fait appel. Et ou qu'a monté bureau et puis mes sociétés à lui-même Léon Charles m'a défend nom m'a mes sociétés à folle dit folle jeune justice qui ça justice vous même enquête là si enquête là pas dit Léon Charles moi impliqué ou j'ai mais qui appelle vous défait
Quoi pour ça, vous avez sous comptoir, mais qu'est-ce qui te bat où? Ok? Mais qui raconte de fait, mais audio. Mais, Wendel, ma besoin de bagage. Ouais, j'enquête la sortie là. Si vous-même, en tant que journaliste, vous êtes dans une zone où tu as fait une entrevue, on vous dit, ah, t'es Wendel, oui, ou t'as là. Il y a un niveau de légèreté qui ne pas correspond à majestuosité, ou du moins, ampleur, grandeur, pour que tu aies enquête là, parce que c'est le président qui a assassiné. Donc, pas bien, c'est ça, je me dis, il y a un pile légèreté là-dedans. Mais dernier point. Ok, bon, nous comprenons ça. Ou répondre à un dernier point qu'on est là. Pendant côté directeur de la police, un groupe de policiers qui mourit, c'est en mars 2021. Il y a qui ont envie de dire qu'on n'est pas fait pour policiers. Je dis là, Haïti vient dégénérer net, bagaille vient plus mal. En 2024, bandits qui contrôlent plus fort territoire qui dans pays qui dans département l'ouest là dans région métropolitaine non mon obligé contrôler déplacement bandits a défendre bandits a défier si vous voulez autorité yo jodi an sous tes directeur général la police qui sont à fait. Deuxièmement, est-ce qu'on croit dans l'annonce qui fait que pour gagner des Kenyans qui viennent écouter bon côté la police, non? Est-ce qu'on croit dans ça? Deux aspects. Bon, et pour 12 mars, m'a dit dans mémoire, enfin, je respecte les mémoires et les gens qui ont perdu les policiers, mais 12 mars, c'est fait. 12 mars, c'est la cinquième opération. Nous avons mené dans le village de Dieu. Même Jean nous fait plusieurs opérations. Après, nous faisons bataille 509 là. Okay? Nous faisons bataille 509 là, il y a un policier qui est arrêté. Il y a un policier. Bien que, nous n'avons pas compte côté policier ça. Oui. Est-ce que vous tournez la police là? Est-ce qu'il y a fait affaire par eux? Même si certains, ils vont en prison. Okay? 12 mars, c'est la cinquième opération. Moi, je fais la Tibonite. C'est dans le cadre du mouvement qui a fait pour déloger Bandi. C'était une stratégie. Mais c'était sans compter avec des fuites qui gagnent dans l'opération. C'est un problème de nous faire la volonté. Sur 12 mars, je vais mettre en mise en contexte. Moi, lancé 12 mars, c'est après que M. Fin assassiné un docteur sur Avenue Christophe. Là. Vous songez ça. Okay? Moi lancé et 12 mars après que ISO 5 secondes, comme son superstar, il a fait des blagues. 5 secondes, il a fait le troisième anniversaire. Okay? Moi lancé une opération après que ISO 5 secondes a attaqué EDH qui est sous vice-président. Moi dit, je ne pas quitter ISO pour toute extension. Mais c'était une infiltration. Il y a des gens qui ont arrêté. Faut qu'on enquête là. Infiltration, faut qu'on dise Léon. Faut qu'on dise Calan Boucher livre policier. Faut qu'on dise Pierre Espérance stand dans l'opération en tout. Faut qu'on dise, monsieur. Famille policier perdu, policier perdu la vie. Yo qui était petite, yo qui était madame. Maman yo toujours en crié. Famille perdu petite yo. Faut qu'on dise, monsieur. Faut qu'on ait courage. Et pas parce que nous perdons Pierre Espérance pour nous perdre Bagalan. Bagalan grave. Come on. Le mal. Franchement, man. Il est tombé. Mais 12 mars. 12 mars multiplié par X ou par N, ça fait 2 ans et demi. Nous perdons le contrôle du pays. Moi-même, je ne vais pas quitter le fait parce que j'ai un aspect politique. Si j'aime quitter la police là, et le fameux et avocat du peuple, Maître de Michel, il dit 5 à 0, l'homme qui prend X, le premier, je prends Léon Charles. Bon. André Michel fait 6 à 0, je balle pour cela. Mais c'est ça qui passe à payer. Oui, mais son allié pouvoir à tout, il ne faut pas oublier ça tout. Hein? C'est ah, un allié. C'est André Michel. Oui, c'est un allié du pouvoir, il ne faut pas oublier ça. Écoutez, quel que soit le pouvoir, moi-même, je ne suis pas dans le pouvoir encore.
si me senti ou poser mon question m'a dit il me ça oui ou ka parler ou ka parler mais sauf que me ka dit comme ça que sauf que me ka dit que dans moment où tu es au pouvoir tu pas dénoncer lui non 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 écoutez c'est bon comme d'avait dénoncé le directeur général et mon décision politique je pas de situation politique OK direction générale mais non 5 à 0 6 à 0 sous question 5 à 0 6 à 0 vous ne pouvez pas dénoncer le moment. Mais nous avons avancé, oui, là, parce que faut passer au deuxième aspect, question, vous avez permis qu'on réponde pour moi. Oui, mais beaucoup répondre. Et... oui, c'est samedi, oui. C'est samedi, oui. Qui sont à faire aujourd'hui, si sous des chefs de la police, par rapport à pays qui a encerclé, enclavé, que bandits prennent contrôle presque tout pays, qui sont à faire aujourd'hui? Oui, je vais faire ça, je m'habitue à faire. Je vais demander plus de moyens, moi, j'ai plus de moyens que la police n'a pas de capacité. Après un petit nettoyage que vous faites, il y a qui dans la police, je dit dans le tweet, critiqué pour ça. Dans la police, Léon Charles, depuis 2010, aidé, formé, mais question de défense et sécurité, plus d'une soixantaine de cadres du ministère des Affaires étrangères, de la police et du ministère de la justice. Ah. Parce que le problème de la police, c'est qu'il y a un pilage informé, ou cadre intermédiaire ou manque formé, l'un est arrivé inspecteur divisionnaire, ok? Gonfomation de bagain, l'inspecteur divisionnaire ou qu'a dirigé un département ou qu'a un directeur général, bon niveau de management pour gagner, la question de leadership, la question d'administration pour capable faire, pour capable faire, ou pas à niveau tactique seulement, ou à niveau stratégique. C'est pire le problème que nous avons. Des fois, en tant que directeur général, à deux reprises, je suis obligé de descendre au niveau tactique. Là, ça m'a un backup opérationnel, là, je n'ai pas stratégique, là. Et là, ça m'a exposé. Mais je suis obligé de faire parce que je peux répondre. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui forment dans la police là. Il y a boumé entre eux, tout le directeur général, c'est mon critique, non, c'est un fait, mais victime de lui. J'ai aidé. Oui, mais ce qu'on va faire abus tout, même dans la sanction, dans la décision, par rapport à monde qui peut être aspiré à un directeur général tout. Non, pas jamais. Mais me forme-t-il, si vous dites qui ça me fait pour bailler changer, il y a un problème de commandement. Directeur général, ça, qui là, même je moi-même là. Pas gagner le café, c'est pas une unité de commandement. Ok? Pas gagner le café, parce que chaque nègre a fait pas yo. M'a dit, c'est le cambala, mais il dit fait tout moins. Ok? Faut me dénoncer, parce que tout nègre, moi, fais partie de l'association des anciens gradués du Collège interaméricain de défense, qui a une formation au niveau stratégique. Premier nègre de mon côté, c'est moi-même. Juste un moment, DG, avant d'aborder la question kenyane, est-ce que ça veut dire que si tu as une cohésion au niveau du haut état-major, t'as une meilleure réaction par rapport et qui t'a peut-être empêché que le président assassiné? Non, c'est l'état-major qui a assassiné le président. Assassiné le président, c'est la sécurité qui est proche de la place. Ok, très bien. Je vais parler de ça. Okay. L'état-major, il n'y a pas de la donne. Il n'y a pas de la donne. Et ouais, par exemple, cité. Je cite parce que j'étais directeur général. Mais pour me dire ça, pour ne pas parler trop critique envers la police, la police est capable et a des ressources. Nous avons besoin de bonne cohésion. Bonne cohésion n'est pas faite. Il y a des moments seuls. Okay? Il y a des moments seuls. Même comme ça, on est capable de batailler. Dégagez, me faites ça. Si je suis là, si je continue, je vais garantir. L'homme qui était menti ça, ok? Menti ça pour une extension ça. Je ne vais pas accuser le directeur général. Je vais raconter ça à la ville. Mais monsieur, ce n'est pas possible pour. Bandio, des meilleurs plans stratégiques que nous-mêmes. Ils ont encerclé, ils ont même cadenassé la capitale. Mes amis, nous qui disons en fait, société à victime, nous ne pas marcher, les droits humains à violer chaque jour, éducation, l'école, tout ça. Mais nous, en tant que société internationale à Brino, nous sommes fatigués de nous, nous en tant qu'ambassadeur. Ok, maintenant, en pile haïtien, il y a les yeux rivés sur le Kenya. Pensant que solution pas loin, si jamais déploiement a fait dans les prochaines semaines, est-ce que vous même croyez dans ça? Qui opinion par rapport à cette décision de qui en fait qui prévoit un appui de la police nationale par les forces kenyanes? Bon, et moi en tant que diplomate et j'ai défendu la position du gouvernement et pour m'en débarquer. Mes positions, pas en tant que
pour qu'il y ait 35 ans souterrain. Nous, on est international là. Nous vivons international là, trop. Orgueil national, nous. Faut nous m'en dire trop. Okay? Nous, qu'à faire, et moi-même, nous avons des ressources pour nous faire. Nous gagnons, mettez l'ordre dans la police, bail la police à moyen, commencez à gagner moyen. Nous avons l'armée. Et pas mon qui a dit non, nous pas qu'à gagner l'armée. Okay? Parce que l'armée portée sur le fond baptiste pour cette nation. Okay? C'est l'armée qui fait premier effet. C'est bien que nous, embargo, tout malheur qui arrive nous. Mais qu'on y a, nous descendons trop bas. Nous descendons trop bas. Bonne question. Non, mais devant l'international, avez-vous au moins une fois défendu l'existence de l'armée? Yes. Moi, j'ai décrété, vous permettez, bonne opportunité ça, en 2015, le livre blanc de défense et de sécurité pour le développement économique du pays. Son livre blanc, qui est l'armée, c'est pour l'armée d'infanterie, ou après résoudre ces problèmes de sécurité avec ZAM, on l'armée professionnelle qui versait et orientée vers question de développement des arts naturels. Nous besoin, oui, me défendre. Ok. Bon livre qui créait, et le livre blanc de défense et de sécurité pour la. Il existait, nous avons pour vous, pour faire une belle contribution là, mais je vais mettre une application. Oui, là, ça, c'était sous le nerf Renault. Oui, sous l'administration, président. Et oui, le neuro commissaire intérieur, ministre de la Défense. Bon document qu'il a, des réflexions faites, et pas réflexions par nous seulement, non. Mettre au 9 février, tout l'autre monde qui verse dans la question ça. Dans pile de documents qui préparé pour question de l'armée, non pas qu'à. Oui, mais même tu t'en dis tout que il y a des équipements qui sont commandés, internationalement, en fait. Un pays de l'international dit que non, c'est pour la police, pour. Équipement ça y aller, ce n'est pas pour l'armée. Est-ce bon, que vous. Bon, c'est une question qui fait. L'armée a commandé, il n'y a pas l'armée, li. Moi, la police a besoin d'armes, pas de bien d'armes. Bref, il y a la police, je ne sais pas si vous mettez l'armée ou la police. Mais ce n'est pas moi-même, ok? Décision. Mais il faut que l'armée, hein, l'armée a fait, c'est vrai, c'est un brillant connu. En tout cas, Léon Chalba a dit parole ça. Nous besoin, il y a un problème qui me dit, hein, que nous avons résoudre. Écoutez, nous avons une police qui a boumé contre gang, qui réaction rapide, la police n'a pas gagné et formation pour lui alquimber au espace pendant 2-3 jours. C'est travail l'armée. Ok? Moi-même, d'abaissé avec un bureau l'armée, exactement, village de Dieu, l'homme au 100 jours. L'homme rentre dans l'espace là, mon départ, tout le monde a parlé. Ils ont été courus dans la première opération qu'on fait. Mais si, je fais ils ont couru, il faut que je l'espace là. Je crase l'espace, l'homme au 100 jours, badji, gagnant. Mais je suis obligé de déplacer, je ne suis pas formé pour ça, je n'ai pas de moyens pour ça. Nous avons commencé à faire pour dire l'armée, la police a fait l'opération, bon. L'armée est un bel. C'est son besoin qu'on y a. On cohésion en deux forces, bien entendu, avec bon système d'intelligence avec la population. Il n'y a pas de démocratie la donne. Ou pas de quoi négocier la donne. N'a fini. Voilà. Et justement, nous prenons beaucoup de temps pour nous entendre. Et ancien directeur général police là, Léon Charles. Et moi, pas faire trop de commentaires. Parce que l'interview a été longue. C'est plus passé 1h30 combien de minutes. Nous prenons la donne. Nous gagnons deux bagages qui sont extrêmement importants pour nous partager ensemble avec vous. Mais entre temps, nous avons tourné ensemble avec vous tout à l'heure comme ça pour que nous soyons capables de nous informer sur tout dossier qui a dominé l'actualité. Moi, nous avons tourné tout à l'heure comme ça. Bon Dieu bénis nous. Que bella.